On va marcher, je suis. Ouais, super. Bonsoir à toutes et tous. La jeune société française d'histoire politique française, d'histoire politique, on avait aussi française, mais bon, peu importe, on peut être européen, on peut être internationaliste, peu importe le lieu et citoyen du monde, c'est ça qui compte, même si en ce moment ce monde va mal. On est très heureux de vous accueillir, Julia Cagé et Thomas Piketty, pour évoquer avec vous une histoire du conflit politique, votre dernier ouvrage. Non seulement parce que c'est un livre important, et qui ouvre des discussions, et on y reviendra tout à l'heure, mais surtout parce que vous offrez à chaque citoyen féru d'histoire contemporaine, mais aussi à la communauté scientifique des SHS, non seulement les historiens, mais aussi la science politique, etc., vous offrez des bases de données en ligne. Donc ce souci de partager, ce souci d'ouvrir, dans la science ouverte aujourd'hui, ou les data, peu importe comment on l'appelle, on pourra peut-être avoir une discussion là-dessus, mais c'est important de l'offrir à tout le monde. Et c'est des outils pour nos étudiants, sont des outils pour nos doctorants et sont des outils aussi pour nous. Donc j'imagine qu'on pourra aussi les réutiliser en tant que tels, puisque c'est quand même ce que vous proposiez et ce que l'on veut. D'autre part, la Société française d'histoire politique, lors de sa dernière AG, sous contrôle du président qui est à ma gauche, Gilles Richard, avait lancé un travail sur la cartographie électorale, en disant qu'il fallait revisiter la cartographie électorale et comment les moyens numériques d'aujourd'hui, entre autres Christophe Bataardi, et M. Frédéric Salmon qui était avec nous, donc toute l'équipe qui vous interviendra après votre présentation, se posait la question des données aujourd'hui, des usages du numérique, en particulier de la cartographie, des SIG, tout ce que permet dans les maisons des sciences de l'homme, les plateformes GOBFC, par exemple pour nous à l'AMSH Dijon, enfin tout ce qui est autour de spatiaux, tout ce qui est autour aussi des data, nous permettent de revisiter les enjeux des élections et comment on peut le faire. Donc c'est important. Donc moi je me tais, c'est à vous de présenter le conflit politique. D'ailleurs, c'est très bien une histoire du conflit politique, puisque le conflit c'est la base de la démocratie. Donc c'est comme ça qu'il faut le penser. À vous. Oh, ok, bah, très bien, merci, merci beaucoup et désolé pour le retard, on enseignait l'un comme l'autre. C'est toujours très compliqué d'arriver au 56, moi j'oublie toujours que c'est pas le 56 pour commencer, même si je suis un peu à la maison. Voilà. Mais du coup, on va faire une présentation courte, on a 20 minutes, c'est ça? Donc l'idée, c'est. Ok. Comme on a pris du retard, je m'arrête au plus tard à 40, voilà. Je vais présenter rapidement et surtout en fait présenter le travail de données et l'approche qu'on a fait plutôt que de m'arrêter davantage sur les résultats parce qu'on a dit qu'on allait essayer d'éviter la discussion plus politique et de Allô? se poser sur les données qu'on a Allô? collectées. Oui. Allô, oui. Oui, s'il vous plaît, Oui. vous éteignez en Zoom, vous éteignez le son de vos micros. Sinon, on Ah vous. bon. Attends, excuse-moi parce que je suis en train de. Excuse-moi. Oui, sinon, on vous exclut la participation. Très bien, Désolé, mais. ça va être dictatorial. Donc, bon, la première question, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce livre. En fait, la question à laquelle on voulait répondre, c'est vraiment celle de savoir qui vote pour qui. Et pourquoi? Et quand même de le faire avec une vision, une perspective historique. Et une des choses que vont nous apprendre les résultats qu'on a dans le livre, c'est justement que cette perspective historique-là, ça peut nous permettre de réinterroger, de remettre en question un certain nombre de certitudes que parfois on peut avoir sur l'interprétation des élections contemporaines. Donc ça, c'était la première idée, et c'est pour ça qu'on voulait remonter
loin dans le temps et finalement remonter aux toutes premières élections pour lesquelles on peut avoir des données en France avec la Révolution française. Et puis la deuxième idée de l'approche qu'on avait dans le livre, c'est aussi grâce à cette perspective finalement de long terme de voir comment la structuration des conflits politiques peut avoir une influence sur les politiques qui sont menées elles-mêmes, sur par exemple le développement de l'état social, de l'éducation publique, de la santé publique, la réduction des inégalités, la bonne santé de la démocratie. Il y a toute une partie du livre dont souvent on parle moins, mais en fait, si vous prenez les quatre parties du livre, et je finirai la présentation sur le plan, en fait, la première partie du livre serait presque pu être une partie en elle-même, puisque toutes nos variables, enfin un livre en lui-même, puisque toutes nos variables explicatives, à un moment donné, on s'est dit, comment on va expliquer le vote? On va prendre des données sur la population, on va prendre des données sur l'évolution des revenus, des patrimoines, sur les inégalités d'éducation, sur les inégalités au niveau de la répartition des professions, sur le pourcentage de propriétaires, le pourcentage de locataires. Et en fait, une fois qu'on avait ces données-là, il fallait quand même voir comment elles avaient évolué elles-mêmes, c'est-à-dire comment la répartition de la population sur le territoire a évolué dans le long terme, essayer de comprendre l'évolution des disparités d'un point de vue géographique, d'inégalités de revenus, de patrimoine. Donc il y a aussi toute cette volonté en fait de comprendre comment cette structure finalement du conflit politique peut ensuite influencer finalement les différentes politiques qui sont mises en œuvre et leurs conséquences. Alors qu'est-ce qu'on a fait en termes de travail de données? La première contribution finalement du livre, c'est d'avoir collecté, alors on a collecté les principaux référendums depuis 1789, notamment le référendum de 1793, donc le premier vote, enfin le premier référendum sur la première constitution pour la première République. On a fait le travail au niveau du référendum de 1795, ensuite on a sauté au référendum de 1946, et puis on s'est appuyé sur les résultats pour le coup existants du référendum de Maastricht en 92 et le référendum de 2005. On n'a pas fait de manière systématique, parfois on nous demande l'ensemble des référendums de la période, ce qu'on pourrait faire avec les données existantes. Je veux dire, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, même d'un point de vue de données, indépendamment de ce qu'on a fait. Ces données, on n'a pas choisi de ne pas les collecter parce qu'elles n'existent pas, c'est juste qu'il fallait faire des choix et qu'on a choisi pour le coup en se basant sur les référendums qui nous paraissaient les plus structurants du point de vue du conflit politique. Et puis ensuite, de manière systématique, là, on a vraiment collecté toutes les législatives de 1848, 1849, et puis après les deux législatives de 1871 et toutes les législatives à partir de 1876 jusqu'à aujourd'hui. Et pareil pour les élections présidentielles, sachant que ce qui avait été fait jusqu'à présent par le ministère de l'Intérieur, c'était de mettre en ligne depuis 1993, au niveau des communes, les résultats des législatives et des présidentielles. Il y avait des travaux de collecte de données, et Odile les connaît très bien, qui avaient été faits et mis en ligne au niveau des départements, puis au niveau des circonscriptions, et un peu plus, de plus en plus, au niveau des cantons pour l'après-Seconde Guerre mondiale. Et on a décidé de mener ce travail de manière plus systématique au niveau des communes, en remontant en 1848. On a pu le faire, il faut quand même insister dessus, grâce à l'excellence de nos archives nationales, parce que toutes ces données, elles existaient, elles étaient relativement bien conservées. On a passé très peu de temps, un peu, mais très peu, dans les archives départementales, parce que la plupart des données étaient remontées au niveau des archives nationales. Donc parfois, on a comblé des trous en allant chercher des départements dans les archives départementales. Et pour être tout à fait honnête, alors je ne vous dis pas que de temps en temps, il ne nous manque pas un bout de circonscription, etc. Mais le seul gros trou historique qu'on a, c'est pour les législatives de 1932, les départements A et B, qui ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, a priori aux archives départementales comme aux archives nationales. D'ailleurs, on a retrouvé une note du ministère de l'Intérieur constatant la disparition. Donc voilà, on a notamment ce trou pour les départements A et B en 1932, mais sinon, c'est vrai qu'il faut quand même souligner l'excellence des archives nationales, et un des principaux et seuls problèmes auxquels on a été confrontés, ça a été les questions d'amiante, et de récupérer les fichiers qui étaient amiantés aux archives nationales, ce qui est toujours un long processus de négociation et pour le coup complètement indépendant de la bonne volonté des archivistes. Mais dans l'ensemble, les données, elles étaient présentes, d'excellente qualité, extrêmement bien organisées aux archives. Et ensuite, ça a été un travail de reproduction de ces données. Alors, il y a deux choses quand même. Il y a la question de la reproduction des données.
Ça, c'est pour vous donner une idée. Ce qu'on a pu faire, et notamment faire beaucoup, grâce pour le coup à l'excellence des archives nationales et au financement public de la recherche, et notamment à l'Agence nationale de la recherche, puis tous les deux, on a bénéficié d'un financement du Conseil européen de la recherche, a été de scanner en fait, ces données de manière automatique. Ensuite, on n'a pas du tout automatisé l'entrée, parce que déjà, pour beaucoup d'élections, ça nous paraissait complètement impossible, notamment du fait de l'écriture manuelle assez difficile à déchiffrer de ces différentes bases de données. Ensuite, parce que vous passez quand même à côté d'énormément de choses. Je pense qu'on a beaucoup mieux compris, notamment les résultats des présidentielles de 1848 en nous plongeant dans les bordereaux électoraux et en comprenant la manière dont les résultats étaient entrés. Notamment, il y a cette tendance en 1848 à rentrer le nom des candidats tels que reportés par les électeurs. Donc, vous avez déjà des candidats qui ne sont pas candidats. Ça avait été assez bien documenté pour ces élections-là, mais du coup, ils ne rentrent pas comme candidats, c'est des bulletins nuls. Et puis, vous avez un problème d'orthographiage en fait, systématique des différents candidats. Après, les données s'améliorent hein, en termes de lisibilité au cours du temps. Vous voyez, là, je vous montre 1910, c'est déjà devenu quand même beaucoup plus lisible. Mais en fait, ce qui manque dans toutes ces données-là, et qui a été une grosse partie de notre travail aussi, jusqu'en 1950, et le fait d'avoir une publication beaucoup plus systématique des livres blancs par le ministère de l'Intérieur, ce qui manque dans toutes ces données, c'est le nom des partis politiques. Donc vous avez le nom des candidats. Alors, il y a une exception, c'est les scrutins de liste, notamment de 1919-1924, où vous avez le nom des listes, ce qui ne vous simplifie pas entièrement la vie, parce que ces noms de listes sont relativement variables et parfois peu transparents, mais bon, au moins. Mais avant ça, et d'ailleurs après ça, vous n'avez pas le nom des partis politiques. Alors ça s'améliore un tout petit peu pour nous dans l'approche du travail à partir de 1910-1914, parce qu'au moins on a ce travail qui a été fait et publié par Le Monde, où vous avez un travail de dépouillement après les élections au niveau des circonscriptions. On retrouve, voilà, mise en forme dans un seul livre, les principaux candidats aux différentes élections. Ce n'est pas du tout fait avant 1910. Et donc, ce qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, ça a été de retrouver les étiquettes politiques dans la presse. Bon, le plus dur, vraiment, c'est clairement les législatives de 1848, parce que là, vous ne pouvez même pas vous baser sur la presse nationale, qui ne couvre pas la plupart des candidats. Donc là, vous êtes obligé de retourner à la presse départementale. Ce qui est fait au niveau de la presse, c'est précieux hein, aux archives nationales et notamment à la bibliothèque en fait, nationale, beaucoup plus qu'aux archives pour le coup. C'est tout le travail de Gallica. Donc, notamment pour toute la presse nationale, là, on a eu très peu besoin d'aller sur place. Ce n'est pas du tout le cas pour la presse départementale, qui est quand même relativement peu numérisée sur Gallica. Donc, il faut se rendre à la bibliothèque nationale. Et là, pour des élections comme 1848, vous êtes vraiment obligé, en fait, département par département, de retrouver les titres pour trouver les partis. À partir de 1871, c'est beaucoup moins compliqué d'un point de vue logistique, parce que vous allez avoir les partis dans la presse nationale. Sauf qu'on pensait, dans un premier temps, pouvoir nous appuyer principalement et uniquement en fait, sur Le Temps, pour être tout à fait honnête, parce que c'est un journal qui est disponible sur toute la période. C'est un journal, voilà, c'est l'équivalent du Monde d'aujourd'hui, de référence, qui a une couverture assez détaillée des élections. Sauf qu'on s'est aperçu que Le Temps faisait un travail, au moins jusqu'en 1893, relativement biaisé de classification des candidats, avec une surtendance à classifier la plupart des candidats, enfin un trop grand nombre de candidats comme républicains, ce qui correspond à la tendance du temps à l'époque, ce qui nous a obligés en fait pour toutes les élections à aller chercher non seulement Le Temps, mais l'Union, le Gaulois, la Lanterne, ça varie en fonction des élections, c'est-à-dire à essayer de couvrir à peu près l'ensemble du spectre politique des socialistes jusqu'aux conservateurs, et en fait en utilisant l'ensemble de ces journaux d'obtenir une classification un peu plus pertinente de l'ensemble des candidats. Quand on met nous ensuite les données en ligne, ce qu'on a derrière et ce qu'on partage derrière avec les chercheurs, parce que chaque classification peut poser problème, c'est on partage le nom des candidats tel qu'il apparaît ici, le nom des partis tel que reporté dans chacun des journaux, et ensuite le choix qu'on fait de classification à partir de ce choix dans les journaux, et ensuite la décision suivante qui est encore plus complexe, où là on peut interroger, critiquer, vouloir reclassifier. D'ailleurs, on ne met pas seulement les données, mais les codes en ligne. C'est comment on a regroupé ces différents partis entre 10 à 15 nuances par élection. Donc, si je prends la fin du 19e, on va avoir les socialistes, les radicaux socialistes, les républicains modérés, les républicains opportunistes, on va avoir des conservateurs,
des bonapartistes, des légitimistes, des monarchistes, etc. Si je prends aujourd'hui, et là je vais vous montrer la complexité, même en 2022, quand on va faire des regroupements, alors sur les 12 à 15 nuances, ça c'est assez facile. Aujourd'hui, ça serait la LFI, le PC, le PS, Renaissance, Horizon, les Républicains, Reconquête, le Rassemblement National. Donc ça, c'est notre premier niveau de classification. Puis ensuite, derrière, on a un deuxième niveau de classification qui va être une classification qui va nous amener à voir la gauche, le centre-gauche, le centre, la droite, le centre-droit, puis ensuite dans cette vision de la bipartition, de la tripartition, une gauche, un centre, une droite, et là où ça peut ouvrir à débat parfois, et c'est encore une fois important pour nous d'être transparents dans les données et de mettre le code en fait pour refaire nos choix de classification. Si on prend aujourd'hui les Républicains par exemple, on a fait le choix de les mettre dans le bloc qu'on appelle national-patriote à droite et pas de les mettre dans le bloc du centre libéral-progressiste. À chaque fois, ces choix-là, on ne les a pas fait artificiellement, c'est-à-dire on s'est basé à la fois sur la presse de l'époque qui nous donne quand même une idée des grandes coalitions et des grands débats à l'œuvre, et en partie aussi d'ailleurs en lisant l'équivalent des professions de foi. Bon, sur le cas précis des Républicains, on le fait parce que vous avez des déclarations du président des Républicains de l'époque, qui est encore le président des Républicains d'aujourd'hui d'ailleurs, Éric Ciotti, qui déclare qu'en termes de second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, il voterait pour Éric Zemmour. Voilà. Bon, c'est pour vous dire, si c'est compliqué en 2022, ça suppose aussi de la subjectivité historiquement. Et c'est pour ça que derrière, on met les données à disposition. Ce travail, là, j'insiste beaucoup, parce que du coup, je présente et j'ai plutôt fait la partie élection et Thomas a plutôt fait la partie variable explicative. On ne l'a pas fait que pour les élections, on l'a fait aussi pour toutes les variables explicatives, notamment les mesures de revenus, les mesures de patrimoine, d'éducation, de catégories socioprofessionnelles. La qualité des données, notamment au niveau communal, va varier d'une période à l'autre en fonction de la disponibilité des données. Une des mesures qui est vraiment très stable et très bien documentée au cours du temps, en plus de tout ce qui est taille de population, etc., tout ce que vous allez avoir facilement dans les recensements, c'est vraiment les mesures de patrimoine immobilier. Parce que pour le coup, la Révolution française met en place l'équivalent de la taxe foncière aujourd'hui. Et vous avez très tôt en fait ce qui va s'appeler les situations financières des communes qui sont publiées, où vous avez des mesures d'impôts basées sur le patrimoine immobilier en fait qui sont mises à disposition et qu'on a pareil numérisées de manière assez systématique. La dernière difficulté à laquelle on a été confronté en termes de données, qui nous a pris pas mal de temps, mais c'est finalement assez rigolo à faire avec le recul, c'est de suivre les communes au cours du temps. Alors pour plusieurs raisons, il y a des raisons bêtes et méchantes d'orthographie du nom de ces communes. Voilà, c'est toujours manuel en plus, donc c'est jamais orthographié de la même manière d'une année sur l'autre. Mais la deuxième raison la plus fondamentale, c'est qu'en gros, on va toujours vous dire qu'il y a 36 000 communes. Quand on commence au début de la période, en 1789, il y en a plutôt 37 000. Aujourd'hui, on serait plutôt autour de 35, je caricature un tout petit peu. Mais vous avez des nouvelles communes, des communes qui ont fusionné, qui ont disparu, etc. Comme nous, on voulait le cartographier de manière stable autour du temps et puis être capable aussi de relier les données électorales aux variables explicatives. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout redéfini par rapport aux communes telles que définies en 2014. Donc, tous nos fonds de cartes sont définis par rapport à 2014. Ça vous dit un peu quand est-ce qu'on a commencé à réfléchir au projet. Parce que sinon, on aurait pu prendre des fonds de cartes un peu plus récents, même si on a peu une révolution dans les frontières des communes entre 2014 et aujourd'hui. Enfin, on l'a fait par rapport à 2014, ce qui a vraiment supposé de suivre à la main en fait, l'évolution de ces différentes communes depuis 2014. Bon, ces données, vraiment, elles sont en ligne. On a mis une adresse mail sur le site Internet. Et d'ailleurs, on a commencé à faire des allers-retours qui sont extrêmement intéressants. Il y a forcément des erreurs dans les données. Ce n'est pas possible de collecter une telle masse de données sans faire des erreurs. Et donc aussi, l'idée, c'est d'avoir des allers-retours pour les corriger. La manière dont on a construit le site, pour deux raisons. Un, pour une raison actuelle, c'est-à-dire qu'on veut être capable de brancher, entre guillemets, de manière très rapide tous les nouveaux résultats électoraux dès qu'on aura les prochaines législatives et présidentielles notamment. Aujourd'hui, pour le coup, le ministère de l'Intérieur met en ligne dans les 24 heures les résultats au niveau communaux, ce qui nous donnera une nouvelle grille interprétative, notamment en termes de ce qu'on appelle le vote le plus populaire et le plus bourgeois. Donc comme ça, en fait, on a fait le site de manière à pouvoir, de manière complètement indépendante, rajouter une élection en 48 heures après les élections. Et de la même façon, en fait, on a complètement la main pour corriger les moindres erreurs, bugs, améliorer les données. Donc, on est assez preneur, en fait, de remarques sur la qualité et ou les défauts de ce qu'on a pu faire. Les outils d'analyse, ensuite, là, de données, par exemple, de cartographie, elles ont surtout vocation à
être utilisé pour le coup par le grand public, c'est-à-dire qu'on peut avoir des meilleures représentations. Si vous prenez les cartes à l'intérieur du livre, elles sont beaucoup plus jolies que les cartes en ligne. Notamment les cartes en ligne, on les a faites de cette manière-là pour qu'elles soient très facilement maniables, qu'elles soient très rapides. En fait, on peut mettre deux cartes face à face, les zoomer extrêmement rapidement, jouer à l'intérieur des départements, au niveau des communes. Ce n'est pas des cartes qui visuellement sont complètement idéales. Ça fait un beaucoup plus gros travail de cartographie d'un point de vue visuel en ligne, mais surtout la vocation de ça, au-delà de l'aspect interactif de mettre des cartes, bah c'est justement de télécharger les bases de données, de pouvoir les réutiliser dans des contextes différents. Je vais sauter là-dessus, je vais juste m'arrêter là, peut-être, en soulignant le... Et puis peut-être tu voudras dire un mot, ou vas-y, dis. Ouais. Il nous reste 7 minutes. 7 minutes. Ouais. Oui, non, alors juste pour dire très rapidement, vraiment désolé pour le retard. Moi, j'ai fini un cours avant, bref, le métro s'est arrêté. Bon, je suis désolé de vous avoir fait attendre, on n'aime pas ça du tout l'un et l'autre, désolé. Nous, on est très conscients du fait que ce qu'on a fait dans ce livre, ça représente un tout petit pourcentage de ce qu'il est possible de faire avec ces données. Hein. Je ne sais pas si c'est 2%, 5%, mais. C'est pas possible sur un livre, même s'il est un peu gros, d'arriver à traiter de tous les résultats, de toutes les nuances politiques, de toutes les législatives sur deux siècles. Donc on essaye de sortir un certain nombre de résultats sur la longue durée qui nous semblent intéressants, qui montrent l'intérêt d'une approche de longue durée. Mais il est évident qu'il y a des milliards d'autres traitements de ces données en se focalisant sur des sous-périodes, sur certains mouvements politiques, en complétant avec d'autres sources sur les réseaux de militants, sur la presse de l'époque, avec des compétences beaucoup plus pointues sur telle ou telle élection. Donc nous, vraiment, on ne cherche pas du tout à dire « voilà, ça y est, on a tout traité avec ces données ». Enfin, ce serait absurde. Donc si on met ces données en ligne, c'est aussi simplement parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avec ces données et on attend dans des mémoires, dans des thèses ou des livres, enfin des articles, enfin tout ce que vous voulez, qui trouvent d'autres choses, d'ailleurs après qui éventuellement ont d'autres conclusions que les nôtres, c'est parfait, c'est très bien, on est là pour ça. Enfin donc voilà, nous on a essayé de faire un premier traitement de ces données en insistant sur quelques résultats qui dans le long terme ont un intérêt, en se focalisant quand même sur cette perspective de long terme. Il y a beaucoup d'autres résultats, beaucoup d'autres approches qui sont légitimes. Si je présente quelques résultats très très rapidement en 5 minutes, alors attends, tu m'as laissé la parole à un endroit où je n'attendais pas, mais juste pour très rapidement, les écarts de revenus sur le territoire ou de richesse sur les territoires sont extrêmement importants. Hein. Si vous regardez là en 2022, le revenu moyen, donc là on parle du revenu fiscal qui est dans les déclarations de revenus avant toute déduction et abattement, avant la déduction de 10%, etc., divisé par la population, à Roubaix, vous êtes à 800 euros par mois, même un peu moins de 800 euros par mois, par habitant. Donc, il y a des gens au-dessus, mais vous ne pouvez pas en avoir beaucoup, et il y a pas mal de gens en dessous, pauvreté. Dans le 7e arrondissement de Paris, vous êtes presque à 10 000 euros par mois par habitant, y compris les enfants. Hein. Donc, un ménage avec 4 personnes, 2 et 2 enfants, on est à 40 000 euros quoi, par mois. Donc, voilà, donc, il peut y avoir des gens pauvres, évidemment, mais vous ne pouvez pas en avoir beaucoup. Parce que sinon, vous pouvez pas avoir une... Donc, vous avez des écarts de moyenne qui sont considérables. Sur la valeur des logements, la moyenne nationale là, est à 220 000 euros sur les logements échangés en 2022. À Vierzon, vous êtes à 65 000 euros. À Paris 7e, vous êtes à 1,2 million. Mais un peu partout sur le territoire, vous voyez Saint-Marc, je me garde, dans l'agglomération d'Aix-Marseille, vous avez du jaune, vous avez du vert. C'est-à-dire que ce n'est pas juste à Paris, c'est-à-dire dans la banlieue de Bordeaux, de Lille, d'Aix-Marseille, vous allez avoir des endroits, des poches très, très riches et des poches très, très pauvres. Au 19e siècle, nos écarts de capital immobilier sont encore plus importants qu'aujourd'hui. Ils ont remonté un peu depuis les années 80-90, mais on n'est pas remonté au niveau du 19e siècle. Ils sont encore plus élevés au 19e siècle. Donc ça, comme disait Julia, c'est sans doute la mesure de richesse la plus homogène dans le temps. Et donc, l'exercice qu'on va faire dans le livre, donc quand on parle du vote bourgeois, du vote populaire, tout ça, alors c'est une terminologie qui est un peu provocatrice volontairement, évidemment, mais qui en fait, dans le cadre de notre analyse, repose sur une base factuelle très, très simple. C'est-à-dire on classe nos 36 000 communes des 1% les plus riches jusqu'au des 1% les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches. On peut le faire avec le revenu moyen, on peut le faire avec la valeur moyenne des logements, ça donne des résultats très proches. Si on a, donc par exemple là, alors le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire? Alors la question est un peu provocatrice, mais la réponse là est très, très factuelle. C'est-à-dire si on regarde en 2022 le vote pour la coalition ensemble au sein des 1% des communes les plus riches, on est à 1,7 fois le score moyen national. On a une pente très forte dans les communes les plus riches, mais qui finalement n'est pas très différente du vote Giscard en 81, du vote Sarkozy en 93. Donc, on a une pente assez bien connue
disons, qui ressemble historiquement à des votes à 20, 25, 30% au premier tour, des votes de droite historiquement. Sur des votes plus petits, Zemmour 7%, Madelin 2% en 2022, on peut avoir des pentes encore plus folles, hein, qui montent à 400% de la moyenne nationale dans les 1% les plus riches, ce qui, entre parenthèses, montre aussi l'intérêt de la méthode, c'est qu'on peut, sur des tout petits votes, repérer des choses qui sont impossibles à voir avec des enquêtes par sondage, mais même sur des plus gros votes comme ça, c'est difficile de comparer vraiment avec des enquêtes par sondage. Donc finalement, pour résumer, le vote Macron ressemble beaucoup à des votes de droite du passé, sauf que sur le bas de la distribution, il est quand même particulièrement bas, c'est-à-dire que les votes de droite du passé réussissait à capter un vote de communes rurales, de communes populaires, notamment rurales, un peu plus important. Alors, c'est même vrai à l'intérieur du monde rural, le monde urbain. C'est-à-dire là, c'est après le contrôle pour la taille d'agglomération de communes. La courbe Macron est encore plus pentue si c'est sans aucun contrôle. Donc là, on a toutes les variantes possibles en ligne et en partie dans le livre. Donc ça illustre en partie la démarche qui est la nôtre. Je présente juste deux résultats dans le long terme qui nous ont semblé intéressants. L'un, c'est sur les écarts de vote entre les communes riches et les communes pauvres. Alors d'abord, peut-être quand même, sur le niveau général de vote, bon, mais ça, on n'a rien inventé, on a un vote aux élections législatives qui est passé en dessous de 50% en 2022. On n'avait pas vu ça depuis la Révolution française, hein, puisque donc des législatives de 1848 jusqu'aux législatives des années 1980-1990, on est à 70-80%. L'électorat est multiplié par deux en 44-45 avec le vote des femmes. La participation reste grosso modo la même. Là, on a une chute qui est vraiment inouïe. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que cette chute inouïe dans le niveau de participation s'accompagne par ailleurs d'une augmentation absolument inédite des écarts de participation en fonction de la richesse des communes. Donc là, vous voyez les courbes que vous avez, juste pour illustrer la méthode et l'intérêt d'une approche historique. La courbe bleue, vous avez, c'est le rapport de participation entre les 5% des communes les plus riches et les 5% des communes les plus pauvres. Là, c'est vrai avec le revenu, on peut le faire avec la valeur des logements, ça donne des résultats similaires. On est à un ratio qui est pratiquement de 1,3, voire 1,35 en 2017, 1,25, 1,3 en 2022. Ça veut dire quoi, 1,3? Ça veut dire que les 5% des communes les plus riches votent 1,3 fois plus que les 5% des plus pauvres. Donc, avec une moyenne de participation à 48%, ça vous donne des communes pauvres qui vraiment participent pas beaucoup, hein, sans compter la non-inscription sur les listes, parce que tout ça, c'est par rapport aux inscrits. Et on a aussi des données sur les taux d'inscription en fonction de la richesse des communes, par ailleurs dans le livre. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce type d'écart, on n'avait jamais vu des écarts aussi importants. Alors, en général, les communes riches ont tendance à voter un peu plus que les communes pauvres, mais pas tout le temps. Hein, on voit dans les années 60, 70, 80, au moment de l'union de la gauche, et on le voit notamment avec une mobilisation communiste, socialiste, dans des banlieues pauvres, mais pas seulement, on a en fait une participation plus forte dans les communes pauvres que dans les communes riches. Hein, quand on est en dessous de 100 pour, de 1, ça veut dire que les communes pauvres participent plus que les communes riches. Donc ça, c'est typiquement un résultat. Enfin, nous, on ne savait pas ça, et je pense que ce n'était pas si évident que ça de le savoir tant qu'on n'avait pas fait l'exercice. Et donc derrière un graphique comme ça, il y a quand même beaucoup de travail, parce que chaque point, c'est beaucoup, beaucoup de données. Et ce n'est pas complètement évident, a priori, de faire ces comparaisons historiques tant qu'on ne les a pas faites. Le deuxième résultat de long terme que je veux donner, c'est le vote à droite dans les villages, bourgs, métropoles, banlieues, métropoles. Alors là, c'est défini les villages comme les communes des agglomérations de moins de 2000 habitants, les bourgs, les communes des agglomérations entre 2000 et 100 000 habitants, et puis les banlieues et les métropoles, c'est dans les agglomérations de plus de 100 000. Les métropoles, ça va être la commune centrale, et les banlieues, les communes secondaires des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et ce qu'on voit, c'est que alors les villages ont toujours voté plus à droite que les banlieues. Enfin, vous me direz, on le savait déjà, on se doutait un petit peu. On peut faire la comparaison. Alors, la proportion de la population dans les villages, bourgs, banlieues, métropoles a changé au cours du temps. Donc, une façon peut-être un peu plus rigoureuse de faire la comparaison historique, c'est comme ça. C'est-à-dire en mettant… Regardez la courbe en verte, et je m'arrête là. Ce sera la dernière chose que je veux présenter. La courbe en verte, on compare, en fait, à chaque point du temps, vous pouvez diviser la population française en deux moitiés. Les 50% vivant dans les plus grandes agglomérations et les 50% vivant dans les plus petites agglomérations. Donc, la taille des agglomérations change au cours du temps, mais vous avez toujours, disons, la plus urbaine, la moitié la plus urbaine, la moitié la plus rurale. Et vous pouvez regarder le ratio de vote à droite dans la moitié la plus rurale par rapport à la moitié la plus urbaine. Résultat des courses, le ratio est toujours supérieur à 1, de façon systématique de 1848 à 2002. Si on cherche une régularité dans la structure du vote, c'est celle-là. Alors, à nouveau, on n'est pas très surpris, on s'en doutait un petit peu, mais c'est, bon, c'est intéressant de voir que c'est toujours vrai. Le deuxième point plus intéressant, c'est que l'ampleur de cette régularité varie beaucoup au cours du temps. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la période, là, en 2022, ça a l'air de rien, mais on a un ratio qui est de 1,4
C'est-à-dire que les 50% du pays le plus rural vont voter 1,4 fois plus pour la droite, qui à ce moment-là est définie comme le bloc Rassemblement National Reconquête LR, mais LR, ce n'est pas beaucoup. Si on le retirait, ce serait à peu près pareil. C'est surtout le vote RN dont il s'agit là. C'est un ratio quand même très élevé. Parce que quand vous avez là une moitié du pays qui vote 1,4 fois plus que l'autre moitié du pays pour un bloc, sans même contrôler pour la richesse, parce qu'à l'intérieur du monde rural, il y a des endroits pauvres, riches, et ça va beaucoup compter, la richesse, pour déterminer le vote. Mais rien qu'en prenant le territoire, vous avez là un écart de vote qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19e siècle, où là, il y avait un écart entre un vote ouvrier urbain pour la gauche, un vote rural paysan pour les partis conservateurs, une différence d'aspiration entre des classes urbaines et rurales considérable. Bah, finalement, on a retrouvé cet écart, alors que pendant l'essentiel du 20e siècle, cet écart était beaucoup plus réduit. Les élections comme 81, par exemple, Mitterrand fait pratiquement le même score dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles. Il y a toujours un petit écart qui va toujours un peu dans le même sens, mais vous voyez, le ratio est très, très proche de 1 vers 81. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne faut pas, disons, naturaliser ou essentialiser ce genre d'écart rural-urbain et que l'explication traditionnelle qui serait le conservatisme structurel des campagnes du monde paysan n'est pas très satisfaisant parce que pourquoi dans ce cas-là, ça a diminué et puis pourquoi ça a remonté, ce n'est pas le retour des paysans dans le monde rural. Donc il faut aller chercher dans des nouvelles structures de classe sociale, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on cherche à l'expliquer, avec un monde des bourgs et des villages qui est aujourd'hui plus ouvriers, soumis à la concurrence internationale, notamment par rapport à un monde urbain où les classes populaires sont davantage employées dans les services, moins soumises à la concurrence internationale, des inégalités d'accès aux services publics, enfin, plein d'autres dimensions à prendre en compte. Enfin, en tout cas, c'est dans ce type d'explication qu'on se penche. On ne prétend pas du tout que nos explications sont convaincantes, mais en tout cas, notre démarche est de partir de ce genre d'évolution de long terme qui, a priori, n'était pas évidente. Enfin, en tout cas, nous, avant de sortir ça, on n'avait pas de raison de penser, de savoir qu'en 2022, on était revenu à un fossé électoral rural-urbain de la même ampleur qu'à la fin du 19e, contrairement au 20e siècle, où le clivage social semble l'emporter sur le clivage territorial, et c'est une de nos explications pour le triomphe partiel de la bipolarisation gauche-droite. Donc voilà notre démarche, et maintenant, on est très content d'en parler. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, et parfait pour le temps. Alors, Gilles Richard, dans un premier temps, donc historien du politique, également en ouvrage. Donc, Gilles, 10 minutes ? Oui. Non, 10 minutes, c'est très court. Je cours plus court qu'une demi-heure. Et donc, je vais centrer mon propos sur deux points seulement. D'abord, une question de méthode, c'est très bien, comme Julia Cagé a parlé de la construction de la base. Je vais revenir sur les sources utilisées pour bâtir la base de données qui a été mise généreusement en ligne. Et puis, dans un deuxième temps, je présenterai quelques-unes de mes réflexions sur les aspects centraux de vos conclusions de type politique, on va dire, hein, que vous tirez de votre travail. Travail qui se veut clairement engagé, mais je vous rassure tout de suite, ça ne me dérange absolument pas. Donc, premier point, la base de données des résultats électoraux donnés à l'échelle des communes. Elle contient deux types d'informations, bien sûr. Hein. Tel candidat a obtenu tant de voix. Bon, ça, c'est une donnée objective, quasiment objective, parce qu'il y a quand même les fraudes électorales. Hein. Et parfois, qui sont non négligeables. Mais prenons-les pour ce qu'elles sont objectivement. Et le deuxième élément, c'est ce candidat appartient à telle force ou telle tendance politique. Et ce second élément, quant à lui, est d'une redoutable complexité. Et je crois... mérite une collaboration étroite avec les historiens du politique. Je vais vous prendre un seul exemple que j'ai choisi exprès dans les élections législatives de 1951, c'est-à-dire la première fois où le ministère de l'Intérieur publie les résultats à la documentation française. Mais en fait, ces résultats, ces livres blancs ne règlent pas du tout tous les problèmes, hein, loin de là. Alors, j'ai pris dans la Loire inférieure, un département que j'ai eu l'occasion d'étudier, un des départements que j'ai étudié dans ma vie, où, bien sûr, en 51, on vote au scrutin de liste proportionnel dans le cadre départemental. La liste arrivée en tête, qui fait 37% des voix, s'appelle la liste d'entente RPF-PNIP. Derrière cette liste, qui a eu donc une double investiture nationale, et les indépendants. Se cache en réalité un parti local très puissant qui est le comité
pour l'Union nationale et républicaine. Ce comité du NR, il est l'héritier du comité de la droite d'avant-guerre, dirigé par le marquis de La Ferronnays et tenu par des aristocrates monarchistes. Mais il se trouve que ces aristocrates monarchistes, pendant la guerre, ont tous été, ou presque tous, de sérieux résistants, et ils sont intégrés dans la République. Et donc, d'ailleurs, il s'appelle désormais Union nationale et républicaine. Ce comité adhère au PRL en 1945, en bloc, puis en 1947, au RPF. Mais le secrétaire administratif de ce comité de l'Union nationale et républicaine, qui a des centaines d'élus locaux dans la Loire inférieure, c'est Michel Ringard, et lui, c'est un proche de Roger Duchet qui a fondé le CNIP et qui négocie le fait que, pour éviter les dissensions, il y ait une double investiture nationale. Et ensuite, cette liste a 4 élus, 2 au RPF, 2 au CNIP. Et les 2 RPF, l'année suivante, ils passent au CNIP. Ils votent pour Pinet, ils passent au CNIP. Et en 1953, le comité d'Union nationale et républicaine devient la fédération du CNIP dans le département. Or, dans votre base de données, toutes les voix de cette liste sont mises dans la colonne RPF et dans la colonne CNIP, zéro. Or, c'est le premier parti du département, donc ça fait un trou dans le budget, voilà, si vous me permettez une expression un peu familière. Bon, il y a plein d'autres exemples, je ne vous en veux qu'à moitié, car déjà les spécialistes ne sont pas tous d'accord pour reconnaître les candidats de la Fédération républicaine et de l'Alliance républicaine démocratique dans l'entre-deux-guerres. Bon, mais vous voyez, là, même avec les résultats officiels, c'est un vrai problème. Deuxième chose, sur vos conclusions politiques, donc, qui consistent en fait, qui constituent une sorte d'interpellation des gauches pour leur montrer que la reconquête des classes populaires n'est pas impossible compte tenu de la structure, des structures socio-économiques des électorats. Alors, premier élément, vous expliquez beaucoup dans votre livre le vote par la classe, en priorité. Classe géosociale, peu importe là, par la classe. Vous le dites d'ailleurs, c'est le début de votre conclusion et c'est aussi dans votre introduction, la classe n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour comprendre les comportements de vote. Moi qui suis un historien du politique et qui cherche à faire de l'histoire sociale du politique, je me rappelle que les historiens spécialistes du monde ouvrier et de la classe ouvrière ont démontré que, certes, il fallait les éléments, les statistiques socio-économiques comptaient pour définir les classes, mais qu'il n'y avait pas de classe sans conscience de classe. Moi qui suis plutôt spécialiste de l'histoire des classes dirigeantes, je vous confirme que la conscience de classe des classes dirigeantes est très puissante et d'ailleurs, elle fonctionne comme classe. Bon. Et cette conscience de classe, de la classe ouvrière, par exemple, elle est venue, c'est une conscience collective d'appartenance commune, d'intérêt commun, de projet commun, et une conscience qui s'est construite dans la durée par les différentes organisations du mouvement ouvrier. Pourquoi les ouvriers votaient-ils en priorité? Jamais tous, loin de là. Pour le PCF en 1951, par exemple, et pour le RN aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'ils sont passés des banlieues aux zones rurales ou, plus largement, est-ce que c'est des affaires de conflits entre d'intérêts et d'aspirations socio-économiques, puisque vous dites, je vous cite, « Aujourd'hui comme hier, le conflit politique oppose des intérêts et des aspirations socio-économiques contradictoires. » Je ne suis pas contre la formule, mais les intérêts et aspirations socio-économiques des individus n'existent pas politiquement s'ils ne prennent pas une dimension collective. Voilà. Et comment ils la prennent? Parce qu'ils sont pris en charge, ils sont mis en mots et mis en forme, ils sont construits, comme diraient les politistes, par les forces politiques qui les transforment en projets d'organisation ou de réorganisation de la société. Donc en 1951, Maurice Thorez proposait aux ouvriers, pour sortir de la condition ouvrière, de renverser le capitalisme. En 2023, Marine Le Pen propose de résoudre les problèmes de chômage, de pouvoir d'achat, de sécurité sociale, etc., en marginalisant, excluant ou renvoyant les étrangers, entre guillemets, chez eux. On peut juger, vous le faites, et moi aussi d'ailleurs, que ce projet n'est sans doute pas le bon. Mais pourquoi n'existe-t-il pas d'autre projet global crédible face à celui-ci?
Eh bien, c'est parce qu'il y a délitement du mouvement ouvrier qui s'est construit depuis le milieu du 19e siècle autour des syndicats, des coopératives, des mutuelles, des associations, des mairies, et puis en lien avec les partis qu'on appelait les partis ouvriers, socialistes et communistes, que les droites appelaient les partis marxistes. Et ce mouvement ouvrier s'est délité à grande vitesse depuis les années 70, sous l'effet des bouleversements du capitalisme, la troisième révolution industrielle, la mondialisation, la financiarisation, etc. Mais aussi parce qu'il y a eu une contre-offensive du patronat organisée après 68 en France, extrêmement efficace, pensée, coordonnée sur la longue durée. Et c'est ça qui a permis le démantèlement de la République sociale construite par à-coup en 36, à la Libération, après 68, en 81, voilà. Et c'est vrai que vous faites preuve d'un bel optimisme, hein, puisque page 845, vous dites « le processus de progrès social ne va pas s'arrêter aujourd'hui ». Non seulement je pense qu'il est arrêté, mais qu'on est dans une phase de régression, on est dans une phase de déconstruction de la République sociale, telle que Jaurès l'a pensée. Voilà. Et c'est ce délitement du mouvement ouvrier, c'est d'abord cela, et pas des raisons socio-économiques. C'est d'abord cela qui a laissé la place aux nationalistes identitaires pour promouvoir leurs réponses et leurs projets de société. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de tripartition, mais il y a une bipolarisation entre deux grandes forces de droite, les néolibéraux, les néolibéraux européistes et les nationalistes identitaires qui mettent les gauches hors jeu. Et les gauches ne pourront revenir, et c'est ça qui est très compliqué pour les gauches, elles ne pourront revenir dans le jeu politique que si elles sont aussi capables de répondre à la question nationale qui est aujourd'hui centrale, la question des identités en général, qui est aujourd'hui centrale dans le débat politique. Ça veut dire sans doute renouer avec l'internationalisme du début du XXe siècle, mais quand on regarde, on observe les gauches aujourd'hui, on voit qu'on en est très loin. Voilà. Remercier les questions. On s'en dépend, on peut tenir compte des questions. Bon, après, on donnera la parole aussi aux collègues qui sont présents. Oui, il faut partir le micro. Je me joins à mes collègues pour vous remercier d'être venus. Et je voudrais juste vous dire qu'à titre personnel, en tant qu'historien et ingénieur des sciences sociales, j'aurais aimé participer à votre projet. Voilà un projet aux multiples mérites, hein, on a dit, une tentative pourtant risquée de prendre en compte le temps long, même de remonter jusqu'à 1789, alors qu'on considère, on est nombreux à considérer, enfin, vous sans doute aussi, que la période révolutionnaire était déjà un monde à part, qui d'une complexité telle que remonter jusqu'à cette période est quelque chose de difficile. Deuxième mérite, c'est cette masse de données absolument considérable que vous avez mis en ligne, qui, moi, un intérêt, mais vous l'avez dit, Thomas Piketty, qui a un intérêt important, à savoir la possibilité d'interdisciplinarité, qui n'a peut-être pas été assez soulignée dans les différentes recensions que j'ai pu lire. Moi, je vais aborder des questions méthodologiques, donc en espérant je vais être forcément rapide en espérant ne pas être trop caricatural dans mon propos, mais vous aurez l'occasion, la possibilité de me le faire remarquer si c'est le cas. Alors la première question, ça a été mentionné dans plusieurs recensions de votre ouvrage, c'est la question de l'échelle. Vous travaillez à l'échelle des communes, on se doute que pour travailler de 1789 à nos jours, c'était une chose, il n'est pas possible de ne pas travailler à cette échelle-là sur ce temps aussi long. Malgré tout, dans votre ouvrage, vous avez des fenêtres importantes qui concernent la Ve République, période pour laquelle, si l'on travaille avec les archives départementales, il y a la possibilité de travailler à l'échelle des bureaux de vote et à l'échelle des îlots INSEE. À l'échelle des bureaux de vote, c'est une chose possible, avec un travail long et fastidieux, Alors, donc ça nécessite des allers-retours, les archives départementales et municipales, en essayant de rechercher les cartes disponibles, de travailler sur les listes d'émargement qui permettent aussi de reconstituer les bureaux de vote pour reconstituer ce maillage en termes de bureaux de vote. Par ailleurs, les données de l'INSEE existent. Depuis 1962, il est possible d'avoir ce qu'on appelle les bordereaux de recensement. Les bordereaux de recensement permettent de reconstituer également le maillage des données INSEE pour pouvoir ensuite les coupler aux données INSEE, à leur base de données.
Vous l'avez sans doute fait. Après, tout ce travail de compilation permet, à l'échelle du bureau de vote et à l'échelle des îlots, puis des iris, de reconstituer un maillage le plus fin possible, ou du moins une granulométrie plus précise que celle que vous avez utilisée à l'échelle des communes. Alors moi, j'ai travaillé sur la métropole nantaise, c'est à ce titre-là que j'interviens, et c'est vrai que cela permet de mieux de saisir les contrastes et les évolutions si on travaille à cette échelle-là, et notamment si on travaille sur les métropoles. Parce que si on travaille sur les métropoles, il est possible de faire la distinction entre les centres-villes, les beaux quartiers et les quartiers populaires, ce qui n'est pas possible à une échelle communale. La seule échelle infracommunale, sauf erreur de ma part, c'est pour Paris, les arrondissements que vous avez utilisés. Cela permet entre autres aussi de diminuer ce qu'on appelle le risque d'erreur écologique, qui consiste à appliquer à une échelle individuelle des caractéristiques décrivant des données agrégées. Vous faites mention de cette erreur écologique possible. Alors vous faites attention de ne parler que de territoires pour lesquels vous avez des données sociologiques et ne pas parler des individus. Mais c'est vrai que le glissement, de temps en temps, on sent, et c'est normal, il est rapide. Ça permet de mieux préciser des basculements socio-électoraux que par ailleurs aussi vous décrivez avec, par exemple, si je reprends l'exemple à Nantes, d'un vote d'extrême droite important dans les beaux quartiers en 1974 et en 1988 et qui après s'estompe au profit d'autres bureaux de vote avec un éloignement des centres-villes, mais en caractérisant de manière plus précise. De rendre plus précise également l'analyse de l'abstention et le désenchantement que l'on mentionnait tout à l'heure, mais à l'échelle des bureaux de vote, à l'échelle des îlots, ça permet d'aller plus finement sur une approche distinguant le décrochage qui semble être d'abord celui des employés, puis ensuite celui des ouvriers quand on décrit précisément ce contenu. Alors, ma question sur cette première partie-là de mon intervention, c'est est-ce que cette approche plus précise n'aurait pas pu être proposée, développée, proposée du moins sur des zooms, sur des fenêtres pour asseoir vos résultats, ou bien, et c'est peut-être une réalité scientifique, ou bien pensez-vous que vos résultats sont suffisamment finalement solides pour se passer de l'analyse à l'échelle des bureaux de vote et pour la Ve République à l'échelle des iris puis des îlots. Bien sûr, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien mesuré, l'ayant fait ce travail, que c'est un travail chronophage qui demande des allers-retours sur différentes archives qui ne peut pas se faire partout. Mais encore une fois, peut-être que les fenêtres auraient pu être intéressantes. Le second point qu'on aimerait discuter avec vous, c'est... Il me semble, alors je vais avoir une phrase un peu percutante et paradoxale sans doute, il me semble que votre travail fait finalement, mais peut-être que Gilles Richard a voulu le dire, c'est a fait l'impasse sur la question du politique et finalement de l'histoire aussi en tant que variable prédictive. Je m'explique, évidemment. Ça fait beaucoup. Non, mais vous allez comprendre, je ne dis pas que ce n'est pas un travail d'historien. Dans une interview... Julia Cagé, vous indiquez que, par exemple, si vous aviez eu les taux de syndicalisation sur 250 ans pour l'ensemble des communes, vous auriez intégré cette variable prédictive. Moi, je comprends tout à fait ce propos, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une sorte d'aveu que tout ne peut pas se réduire à la classe géosociale telle que vous la définissez et qu'il manque des données prédictives, je suis sûr que vous le savez évidemment, mais dans vos équations, c'est-à-dire et qu'il manque finalement le domaine politique dans vos équations, qui d'une certaine façon... Gilles Richard l'a peut-être dit aussi dans ces termes, à sa propre autonomie qui aurait pu rentrer. Sinon, finalement, comment expliquer que la banlieue composée d'ouvriers dans les années 20-30, devenue rouge autour de Paris, ne soit pas devenue brune, par exemple ? Est-ce qu'une équation mathématique de type, je résume, mais vous êtes sur des analyses de régression, vous ne faites pas d'analyse multivariée, me semble-t-il, donc vous êtes sur des analyses de régression multiples avec un Y qui est égal à un X plus d'autres variables, je résume, hein, bien sûr, mais est-ce que finalement un Y qui serait le vote à gauche, le vote communiste, s'expliquerait seulement par le pourcentage d'ouvriers et le fait d'être dans une banlieue ? Est-ce que ça donne tout ça obligatoirement un vote communiste sans introduire dans l'équation, le tissu militant, l'implantation syndicale de la CGT, l'importance du socialisme municipal et le contexte national voire international, c'est-à-dire des variables politiques. Le choix de l'électeur peut-il finalement se résumer à une position sur l'échelle sociale ? Par ailleurs, les choix politiques des électeurs sont aussi liés à des héritages qui sont multidimensionnels, familiaux, territoriaux, de travail, le tissu associatif, l'école. Vous prenez deux dates pour cela. La culture familiale participe d'un choix électoral, définit une sociabilité que vous évoquez parfois, cette notion de sociabilité, mais sans la prendre en compte, me semble-t-il, suffisamment, mais même si j'ai bien conscience des difficultés que ça représente, notamment en termes de sources. Le vote, si on prend le vote Mélenchon en 2017 et 2022, par exemple, il est presque calqué sur celui de Marché en 81. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes électeurs.
que le prix du mètre carré, traduisant la modification de la sociologie des bureaux de vote, a évidemment évolué. De la même façon, pour le cas nantais, qui peut être généralisable, les bureaux de vote ayant voté Giscard, comme vos communes riches, sont ceux où l'on vote Fillon. Comment n'y pas y voir la force des réseaux des héritages ? Donc, comment peut-on aborder la question des déterminants d'un choix électoral sans intégrer les questions d'héritage culturel, politique, familial ? La définition de la classe sociale, la classe géosociale, pardon, peut-elle se passer de l'intégration du tissu social dans les équations que vous proposez ? De la même façon, un peu sur le même registre, en partant de votre travail basé sur des analyses toujours de régression, typologie d'analyse des variables, la sociologie des variables que vous proposez, j'étais surpris que, par exemple, alors que vous avez les données, ne soit pas proposé une analyse intégrant les variables électorales antérieures à T-1, à T-2, à T-3, matériaux que vous avez. C'est-à-dire que, en fait, vous séquencez, me semble-t-il, les élections par type d'élection en plus. Mais ne peut-on considérer une élection à une date T sans prendre en compte les élections antérieures en tant que variable, une nouvelle fois prédictive ? L'élection de 1980, pour reprendre celle-ci, peut-elle se comprendre sans prendre en compte l'élection de 1974 et surtout sans prendre en compte l'échec inattendu de la gauche aux élections législatives de mars 1978 ? Il me reste un peu de temps ? Il me reste un peu de minutes. Alors, pour finir, c'était le troisième point. Une petite déception, c'est sur l'utilisation de la cartographie que vous faites dans l'ouvrage. Et alors, c'est comme si vous la donniez comme administration de la preuve, vu l'échelle de reproduction, sa lisibilité. Alors, c'est vrai que bon, c'est le géographe qui parle en partie, le cartographe que je suis, statisticien. Tout un travail sur l'analyse spatiale, l'analyse des corrélations, l'analyse des tendances aurait permis de produire peut-être plus que des cartes d'administration de la preuve, des cartes de synthèse, des cartes de schéma dans l'ouvrage, et peut-être de réserver, c'est une idée, hein, de réserver ces cartes-là plutôt au site, comme, encore une fois, comme administration de la preuve, au même titre que vos données. Voilà, c'est des remarques méthodologiques que j'espère pas trop caricatural, et si ça l'est, veuillez m'en excuser. Merci. Merci Christophe. Monsieur Salmon, à vous. Voilà, c'est bien là. Oui. Je ne parlerai pas cartographie parce que c'est en partie mon domaine, donc je ne préfère pas. On m'attend évidemment sur le terrain électoral. C'est un peu pour ça que je suis venu. Je signale à tout le monde que j'ai fait un tableau analytique des données KG Piketty, des séries électorales, sur mon site Géoélections. Vous y trouverez l'analyse circonstanciée des lacunes, rubrique par rubrique, scrutin après scrutin, ce qui vous permettra de ne pas trop rapidement vous lancer à l'aventure si vous téléchargez leurs données. Vous vous rendrez compte qu'il manque beaucoup de communes, que les étiquettes politiques sont effectivement, fatalement, ce n'est pas votre domaine de prédilection, sont forcément très approximatives, tellement approximatives que pour moi personnellement, avant 1924, vos données sont rigoureusement inutilisables en l'état, telles que vous les avez attribuées politiquement, électoralement, elles ne sont pas utilisables. Il y a trop d'écart avec la réalité. Maintenant, donc, je vais plutôt parler démographie. En faisant attention au temps qui passe, je pourrais... Et à propos du mot « bourg » déjà, je le dis aux gens, les auteurs, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'avez lu ce livre, les auteurs distinguent quatre catégories de communes: métropole, à la tête des agglomérations de plus de 100 000 habitants, leur banlieue, les bourgs, c'est-à-dire les communes de 2 000 habitants et au-delà, hors agglomération, et les villages, c'est-à-dire les communes de moins de 2 000 habitants. Le mot bourg, ça fait drôle quand même. Des communes de 10, 15, 30, 75 000 habitants appelées bourg, quand vous allez à Blois ou à Bourges ou à Montargis même, vous avez l'impression d'aller dans un bourg.
C'est pénible parce qu'à chaque fois qu'on tombe sur ce mot, il faut le traduire mentalement. C'est dommage. Moi, je vous propose la prochaine fois de le transformer en, je ne sais pas, petite ville. C'est court, petite ville. Ville moyenne. Ville hors agglo. Bon, c'est une suggestion, mais le mot bourg, pour moi, est vraiment fâcheux. Le seuil des 2000 habitants. Le seuil des 2000 habitants que vous avez choisi pour distinguer village et donc bourg. Je suis sûr intimement que vous avez confondu avec le fameux seuil de 2000 habitants de population agglomérée. Vous, c'est la population totale. Je suis sûr que vous avez... Ça, c'est la population des agglomérations. Non, c'est, non, non. Ce sont les communes rattachées à des agglomérations de moins de 2000 habitants. Non, vos si. Bourgs. Vos bourgs ne sont, les, sont hors agglomération. Si, non, ce sont les communes membres d'agglomérations comprises entre 2000 et 100 000 habitants. Comment donc, vous expliquez comme... Mais ensuite, on décompose de façon beaucoup non, plus non. En termes déciles de taille. Enfin bon, je laisse. Non, les communes que vous avez prises de 2000 habitants, c'est 2000 habitants, population totale. Quand vous voyez les communes de l'Ouest, qui sont presque toutes prises en compte, alors que ce sont des communes rurales, donc agglomérées, avec une des petites agglomérations de beaucoup moins de 2000 habitants. Je les ai vérifiées. Ah oui, ça c'est des communes isolées, bien sûr. Dans ce cas-là, elles sont une agglomération avec toutes seules. Elles sont des communes isolées. Ce, ben, vous sûr. Les avez classées bourgs. Elles ont 2000 habitants, mais elles ne sont pas agglomérées de plus de 2000. Non. Elles ont moins de 2000 agglomérées. Vous devrez vérifier. Si elles sont moins de 2000, ce sont des villages. Si elles sont plus de 2000, ce sont des bourgs. Voilà. Bah, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. À 2000 habitants agglomérés, je vous le signale en passant, en démographie, enfin statistiquement, à 2000 habitants agglomérés correspond à peu près 4000 habitants de population totale. Ça aurait été donc beaucoup mieux que vous preniez 4000 habitants de population totale. Ça vous aurait été évité de regrouper avec les villes, quelques villes que je viens de donner en exemple, les grandes communes de l'Ouest qui ne dépassent 2000 habitants que parce qu'elles sont très étendues. Mais elles n'ont pas de village ou de bourg supérieur à 2000 habitants agglomérés. Vous vérifierez. Ensuite, plus gênant pour moi, les populations communales. Vous dites, alors c'est actuellement sur votre site, il y a une notice intitulée « Taille de la commune » qui dit « Dans la base de données socio-économiques que nous avons rassemblée, la taille de la commune est définie par le nombre d'habitants de la commune tel que mesuré dans les recensements. » Et pour achever de nous convaincre, vous ajoutez « Les tailles de communes et d'agglomérations sont relativement bien connues depuis les premiers dénombrements de la population réalisés à l'époque de la Révolution française et dans le cadre des recensements organisés depuis 1801. » Quand on lit ça, on se dit « Ce sont les populations officielles. » C'est le futur des recensements, n'est-ce pas ? Allez-y, continuez. Alors, depuis, je le dis pour les gens ici présents, depuis 1876, oui. Avant 1876, non. Vous avez estimé les populations avant 1876. Vous ne le dites nulle part. Sur que toutes les annexes sont en ligne. Ouais, si vous ne lisez pas les annexes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais là, là, c'est pas sérieux. Il hein. Faut que vous lisiez les annexes. Là, quand même. Non, alors, dites-moi. Tout est en ligne depuis deux mois et demi. Vous dites la notice intitulée « Taille de la commune ». Dans la base de données socio-économiques que nous avons rassemblées, la taille de la commune est définie par le nombre d'habitants de la commune tel que mesuré dans les recensements. Il y a 1800 pages d'annexes en ligne depuis deux mois et demi. Si vous n'allez pas sur le site lire les annexes, là, moi, je ne peux rien faire. 1800 pages ? 1800 pages. Visiblement, vous ne l'avez même pas ouvert, le fichier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Mais pourquoi vous donnez l'impression que ce sont des chiffres officiels ? On ne peut pas tout dire dans le livre. C'est pour ça c'est au glossaire. C'est dans le glossaire. Le glossaire est immédiatement accessible. Non, mais regardez les trucs en ligne quand même d'abord. Attendez, là, c'est pas sérieux. Hein. Qui a vu que c'était des populations estimées ? Il faut y passer un peu de temps, monsieur. Je suis désolé. Il y avait d'autres remarques que vous pouvez faire ? Non. Je suis à 10 minutes, là, presque. Donc. D'accord. Merci. Alors, bon, maintenant, on va proposer des éléments de réponse.
plusieurs choses. Premier temps, donc, vous répondez à ce que vous voulez ou pas ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Et aussi que Thomas. Je disais, voilà, allez-y, répondez, puis après on ouvrira la, généralement. Oui, bah on va. Non, on va prendre certains points. Déjà, merci beaucoup pour vos lectures attentives. Et non, mais j'aime beaucoup la discussion sur 1950. On va pas rentrer dans la discussion des fraudes. Enfin, on en parle un peu, on les prend pas en compte dans les données, mais on discute en fait. Il y a pas un changement massif des résultats quand on introduit l'obligation de l'isoloir, mais c'est quand même un très bon point. J'aime beaucoup l'exemple de 1951. En plus, ça a été les pires élections pour nous à rentrer parce que c'est un scrutin. C'est un scrutin qui n'existe qu'en 1951, c'est-à-dire que c'est un scrutin de liste où à la fois sur les listes, vous pouvez barrer des candidats qui ne vous plaisent pas, mais vous pouvez aussi donner un bonus à des candidats qui vous plaisent. Pas le bonus, juste le fait de rayer. Voilà. Et du coup, en fait, en 1951, pour chaque commune, vous n'avez pas une fois les résultats, vous avez trois pages. Donc, il faut soutirer des candidats et rajouter des candidats, ce qui est un véritable cauchemar. Les livres blancs, il n'y a pas qu'en 51 qui sont imparfaits. Et souvent, d'ailleurs, on a dû les compléter avec la seule source qu'on a trouvée un peu systématiquement post-Seconde Guerre mondiale, qui sont les résultats électoraux tels que présentés par le Parti communiste. Notamment parce que souvent, les livres blancs sont relativement imprécis et vont avoir parfois des listes gauche, listes droite, ou ne pas classer certains candidats. Donc, en fait, le fait de compiler les deux ensemble, ça nous a un tout petit peu simplifié la vie. N'empêche qu'ensuite, c'est vrai qu'on leur a fait confiance et que du coup, le genre d'incohérence, entre guillemets, que vous soulignez, il est là dans les données. Et c'est à la fois des choses où, ça fait partie des choses qu'on peut assez facilement corriger, qu'on sera ravis de corriger, d'améliorer en ayant des échanges. Nous, on va dire qu'on s'est davantage basé sur des travaux des grandes histoires aussi politiques de la droite française, de la gauche française, pour s'appuyer parfois sur des classifications qui nous paraissaient non claires à partir, par exemple, des livres blancs ou des données électorales. Mais voilà. Ceci dit, pour répondre avant 1924, comme on met les données même de base disponibles, c'est-à-dire qu'on peut dire que le temps, le Gaulois, l'Union et la Lanterne réunis ont tous tort. Après, on peut juste reprendre les codes et reclassifier différemment ce que donnent les journaux. Les 99% de la marche a été franchie pour en faire des données exploitables, même si on pense qu'elles le sont en partie en l'état. Sur ce que les points que vous soulevez, vous avez raison. D'une certaine manière, le travail, vous l'avez fait à l'échelle de Nantes. Jean Rivière, si je ne me trompe pas, l'a fait aussi beaucoup sur des bureaux de... Vous l'avez fait ensemble, voilà, donc vous le connaissez encore mieux au niveau d'un certain nombre de grandes agglomérations au niveau parisien. En fait, ça fait partie des questions qu'on s'est posées parce que notamment dans les données brutes, mais alors de manière complètement incohérente et, enfin je veux dire, pas incohérente, non systématique, on peut avoir des résultats, y compris en 1876 à Paris, dans les bordereaux électoraux au niveau des quartiers. Et d'ailleurs, on les a rentrés. Parce qu'en fait, quand on a rentré les données brutes, ensuite, on a fait des regroupements par arrondissement. Et on a, alors ça, de manière quasiment systématique pour Lyon et Marseille, le problème, c'est qu'ils ont passé leur temps à changer la définition des bureaux de vote. On a les résultats au niveau des bureaux de vote tout au long du 19e siècle, et parfois pour un certain nombre de communes, même des communes pas gigantesques. Voilà, c'est pas systématique, mais on les a trouvés. Et au départ, on s'était demandé, notamment pour Lyon et Marseille, parce que ça, on sait à peu près comment reconstituer la géographie des bureaux de vote électoralement, si on allait les exploiter ou pas. Et on a décidé de ne pas le faire, parce que pour le coup, sur le long terme, on n'arrivait pas à avoir ce niveau de finesse dans les variables explicatives. On pourrait le faire aujourd'hui, et on pourrait le faire au niveau des iris, ce qui nous donne un niveau géographique ultra fin, en fait, même les données de richesse, de revenus, etc. Et on ne l'a pas fait parce que du coup, c'est un peu sur la syndicalisation, ça aurait conduit une rupture historique dans l'analyse qu'on fait dans le livre, qui est déjà extrêmement, extrêmement long. Et on voit bien que la démarche, elle est nécessaire. D'ailleurs, on cite vos travaux, ceux de Rivière, sur ces questions-là. Je pense que ça vient enrichir. Il y a des travaux, des vieux travaux d'ailleurs, qui ne sont pas faits à un niveau géographique aussi fin, mais qui le font parfois d'un point de vue plus qualitatif sur les législatives de 1962, si je ne me trompe pas, qui sont vraiment les premières analyses complètement qualitatives publiées dans les livres de Sciences Po, CIVIPOF, qui sont aussi basées sur les premières données d'enquête. Et puis régulièrement, il y a des focus qui sont faits dès 58. Et en fait, en 62, par exemple, ils ont une discussion très intéressante de ce qui va se passer à l'intérieur de la ceinture parisienne sur le vote de poche ouvrière
dans des communes les plus riches, et justement pour essayer de décomposer un niveau plus simple que celui des arrondissements. Je pense qu'il n'y a pas que la longueur du livre, je pense qu'il y a aussi un peu notre capacité de travail, ou peut-être de, voilà, il y avait un temps qu'on avait dédié pour finalement en produire quelque chose, mais on est complètement conscient de ça. Il y a une autre chose qu'on n'a pas faite, qu'on aimerait faire, qui serait une contribution plus technique à laquelle on travaille peut-être, c'est qu'on est assez d'accord sur le fait que, enfin, aujourd'hui, il y a les données d'enquête, d'ailleurs qu'on cite à la fin de l'ouvrage, mais de voir comment essayer de mieux combiner, alors à la fois justement ces données IRIS, potentiellement ces données d'enquête, et ce qu'on fait nous, pour finalement essayer d'éclairer les périodes où on n'a pas de données d'enquête, des leçons qu'on pourrait tirer des croisements des deux sources sur ce que ça nous apprend un peu mieux comme biais écologique, etc. Je te parce que moi, sinon, je vais refaire comme tout à l'heure, tu auras une minute à la fin. Non, ça va, je l'ai pris. Oui, alors, quelques points. D'abord, moi, je veux dire, Frédéric Salmon, que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour votre travail, qu'on a beaucoup utilisé le livre que vous avez, je vous l'avais commandé, d'ailleurs, il y a quelques années, on a été en contact, je vous avais commandé cet ouvrage, j'ai eu votre atlas historique, celui-là, là, mais l'atlas paru au Seuil aussi, bien sûr, que je connais bien. Donc, vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit tous dans une démarche cumulative, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a mis en ligne, c'est certainement pas le dernier mot sur comment classer les candidats par nuance politique. C'est-à-dire que je veux vraiment insister sur le fait que nous, on a mis en ligne non seulement les photos des archives, non seulement les photos des journaux, de tous les journaux qu'on a utilisés, avec ensuite la classification pour chacun de ces journaux des différents candidats. Et ensuite, finalement, la classification que nous, on a retenue à la fin, dont on reconnaît qu'elle est imparfaite. Mais on a mis tous les éléments pour qu'elle puisse être améliorée. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de vous dire, allez-y, vraiment, allez-y. Et on est d'accord par avance avec tous les enrichissements qui seront faits. Donc, vraiment, voilà, on ne peut pas juste dire, il n'y a rien à garder de ce que vous avez fait avant 24, tout ça, je trouve ça, c'est pas très constructif. Donc, voilà, je pense vraiment qu'on peut, ensemble, être dans une démarche cumulative qui était beaucoup plus difficile à faire avant. Nous, on a bénéficié de technologies numériques, de financement de RC. D'ailleurs, ce n'est pas qu'on n'est pas plus malin que qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on on a juste eu la chance d'avoir des technologies, des financements. Siegfried, il faisait ça à la main, et encore, il n'y a pas si longtemps, on faisait beaucoup de choses à la main, et vous avez fait des fonds de cartes et cantons à la main, que je connais bien aussi, et je me rends compte de l'ampleur du travail à la main. Et donc, nous, on a juste eu la chance, finalement, d'avoir des moyens supérieurs. Et on fait ce... Voilà, mais après, on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Donc, voilà, je veux juste vraiment insister là-dessus. Et soyons dans une démarche cumulative. Nous, on est complètement là-dedans. Sur les questions, quelques questions qui ont été posées, juste pour compléter sur ce que disait Julien. Juste sur l'analyse au niveau du bureau de vote, sur Nantes, vous commencez en quelle année ? 74, vous avez des bureaux de vote dont vous avez les cartes sur Nantes et vous pouvez suivre. Ah. Oui, d'accord. D'accord. Oui. Donc, c'est les bureaux de vote constitués de forme de cartes, quand elles sont disponibles aux archives départementales, certaines à la préfecture, d'autres dans certaines archives municipales. Et quand ces données-là ne suffisent pas pour cartographier et dessiner dans un SIG ces bureaux de vote, la seule solution, c'est d'aller chercher dans les listes d'émargement pour reconstituer à l'aide des premières 100, 200 ou 300 première personne d'un bureau de vote en fonction de l'adresse qui est mentionnée, de voir les rues qui sont présentes dans tel et tel bureau de vote. Voilà. Et les listes d'émargement qui sont rendues publiques, faut combien d'écart de... Alors, c'est une cinquantaine d'années, donc on peut tomber dans la tranche, mais donc, après qu'ils s'obtiennent, ça a été mon cas, par des rotations. Non, mais ça, bon, c'est évidemment, ça, c'est vrai, c'est évidemment un travail irremplaçable. Alors, nous, la raison pour laquelle on n'est pas rentré là-dedans sur les bureaux de vote, c'est vrai qu'on avait cette perspective de faire de la longue durée, là, c'est impossible, mais c'est vrai que là, c'est assez impressionnant qu'on puisse remonter aux années 70. Nous, notre impression, c'était qu'en général, les cartes des bureaux de vote, avant les années 2000, on allait pas y arriver, quoi, en gros. C'est-à-dire même sur les années 2000-2010, mais je comprends qu'au moins sur certaines agglomérations, on peut remonter 30 ans encore de plus en arrière, ce qui déjà change quand même beaucoup la chose. Nous, c'est vrai qu'on a notre impression, et la raison pour laquelle on a décidé de ne rien faire au niveau du bureau de vote, c'est qu'on n'allait rien faire vraiment de systématique avant. On s'est dit, bon, c'est pas que c'est pas intéressant, mais vu notre perspective historique, on va faire les choses. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des milliards de choses. C'est toi qui l'as interprété. Résumé, Nantes, Bordeaux, Lille à un point de données, c'est évidemment problématique. Si on n'avait pas toutes les communes de banlieue
certaines communes de banlieues riches, de banlieues pauvres, etc., qui sont les communes finalement qui nous permettent de voir des choses. Juste sur les très grandes villes, on ne peut rien voir en les résumant à un point de données. Alors heureusement, il y a des arrondissements parisiens, mais vous avez complètement raison. Et c'est vrai que des projets permettant de remonter jusqu'aux années, donc là vous dites 74, remonter. Je ne suis pas sûr d'avoir quand même compris sur les résultats disponibles sur les données de recensement depuis 62, comment on peut réussir à aller au bureau de vote. Moi, je suis pas, j'avais pas compris qu'on pouvait remonter alors, autant. Mais franchement, Vous me permettez ? Oui, pardon. Donc, pour les données INSEE, en fait, c'est la chose suivante. C'est aux archives départementales, il y a ce qu'on appelle les bordereaux de recensement, des recenseurs. Les recenseurs, c'est un petit cahier de 4 pages qui contient sur la première page l'îlot sur lequel le recenseur est allé. Si l'îlot s'appelle A1, il est allé pour la commune de Nantes sur l'îlot A101. Par ailleurs, l'INSEE a les bases de données pour l'ensemble des recensements. Si on reconstitue le maillage des îlots avant les iris, hein, je parle de l'INSEE 75 et 82, si on reconstitue ce maillage des petits îlots, on peut ensuite du coup associer les données de l'INSEE et ensuite par des jeux d'agrégats jouer sur la superposition de la cartographie des bureaux de vote et sur la cartographie des îlots iris. Et là, on obtient un maillage à l'échelle du 1200, 1500 personnes. Mais on est d'accord que voilà, il faut pour retrouver la cartographie complète des bureaux de vote, il faut vraiment remonter à ces registres électoraux, enfin ces listes d'émargement qui sont pas forcément disponibles. Il faut demander, oui, avoir les dérogations. Non, mais je vois comment ça peut fonctionner. Et bon après. Sans changer. Nous, c'était ça notre impression. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre un doigt dans les bureaux de vote et honnêtement, on en est ressorti très vite en se disant on ne va pas avoir plus de 10 ou 15 ans de recul, donc on ne met pas le doigt là-dedans. Mais bon, je suis complètement d'accord que sur des plus grandes villes, c'est ce qu'il faudrait faire. Juste pour répondre au biais écologique, on a deux façons de faire. C'est une façon, c'est quand même d'utiliser le fait qu'il y a toutes ces petites communes de banlieue qui sont certaines très riches, d'autres très pauvres, certaines très industrielles, d'autres plus avec des emplois dans les services. Et donc, on fait des régressions multifactorielles. C'est-à-dire qu'on a quand même toutes ces variations et avec 36 000 communes, vous pouvez quand même isoler d'autres facteurs. L'autre façon de procéder, c'est qu'on a par ailleurs, dans des recherches précédentes, et on s'y réfère beaucoup dans le livre, utiliser toutes les étiquettes post-électorales. Donc, moi, j'ai un livre collectif, j'étais un des co-directeurs avec Amaury Guettin, Clara Martinez-Tolenado, un livre collectif qui est paru en 2021, qui s'appelle « Clivage politique et inégalité sociale, une étude de 5 ans de démocratie 1948-2020 », où on a rassemblé toutes les enquêtes post-électorales, alors notamment dans le cas de la France, depuis les enquêtes de depuis la première enquête de 58, et puis toutes les enquêtes 62, 67, etc., ce qui n'avait pas été fait, cette réexploitation systématique depuis longtemps, je crois. Et à chaque fois qu'on peut vérifier dans les enquêtes au niveau individuel que ce qu'on obtient au niveau communal a du sens et peut être interprété de toute façon, on le fait. Donc on essaye quand même de pousser l'exercice de mise en cohérence des données d'enquête et des données communales assez loin. Après, on peut faire plus, notamment avec le bureau de vote, mais on le fait. Le dernier point sur lequel je voudrais répondre, qui est peut-être le point le plus important sur la pas de classe sans conscience de classe. Mais nous, on est complètement d'accord. C'est-à-dire que nous, toute notre approche quand même sur la classe géosociale, je veux bien quand même clarifier notre appareil, disons, théorique ou conceptuel. C'est que la classe géosociale, en tant que telle, elle ne peut pas déterminer un comportement politique parce qu'en fait, elle est tellement multidimensionnelle. C'est-à-dire, nous, on décrit une structure de classe, ce n'est pas la classe ouvrière et la bourgeoisie, ce n'est pas la riche et les pauvres. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que pour un même niveau de richesse, de revenus moyens territoriaux, vous allez avoir des communes dans lesquelles vous allez avoir un emploi ouvrier soumis à la concurrence internationale, un emploi employé dans le secteur du nettoyage ou du soin très difficile, mais beaucoup moins soumis à la concurrence internationale, un accès aux services publics qui est différent, un accès aux universités qui va être différent pour des enfants issus de classes populaires urbaines, et à l'inverse, un accès à la propriété, au foncier plus facile pour des enfants de classes populaires rurales. Donc on a une multidimensionnalité dans cette structure de classe qui fait que spontanément, c'est tellement multidimensionnel que ça ne peut pas donner lieu à une mobilisation politique spontanée. Et donc là, il y a un travail programmatique, militant, par des organisations politiques et syndicales qu'on étudie. Alors, on ne peut pas étudier complètement tous les mouvements politiques sur 2 siècles dans le cadre de ce livre, mais on essaye, on met beaucoup l'accent, notamment à la fin du livre, sur comment des changements dans la plateforme programmatique
des partis, dans le discours, dans la façon dont ils s'adressent au monde rural, en arrêtant parfois de caricaturer l'habitat pavillonnaire, la voiture individuelle, peut faire des différences. Bon, voilà, François Ruffin, dans la circonscription de la Somme, va mettre ensemble des électeurs ruraux et urbains d'une façon dont Jean-Luc Mélenchon, trois semaines plus tôt, n'a pas attiré exactement les mêmes électeurs. Donc le discours qu'on tient face à différents segments de territoire et des classes géosociales a un effet sur les votes. Et donc ça, on essaye de l'évoquer. Alors, on nous a reproché parfois à la fin du livre de prendre beaucoup parti sur voilà, quelle plateforme programmatique pour la gauche, etc. Mais c'est justement parce qu'on pense que la classe, il n'y a pas de classe sans conscience de classe. Il n'y a pas de la classe géosociale en tant que telle, ne détermine aucun comportement politique. Tout dépend de ce que les organisations politiques en font ou n'en font pas. Donc là, on est complètement, je crois, raccord avec vous. Juste un tout petit point, on utilise les élections antérieures quand même à plusieurs reprises dans le livre, et notamment le rôle absolument fondateur du référendum de 2005 pour prédire le vote RN en 2007, 2012, 2017, 2022. Et ça, c'est un point quand même très important, parce que là, on voit quand même une coupure se faire à l'intérieur, disons, du bloc anti-immigrés, pour résumer, c'est-à-dire que autant Sarkozy puis Zemmour arrivent à attraper le vote urbain anti-immigré et plutôt libéral économiquement, autant à partir de 2007-2012, bah, l'électorat rural qui a beaucoup voté, ou des ouvriers, des bourgs, des villages qui ont beaucoup voté très fortement pour le non en 2005, là, Sarkozy, quand il ratifie le traité d'Amsterdam au Parlement, il perd complètement cet électorat-là. C'est-à-dire que là, il y a, par rapport à la question du libéralisme économique, de la mondialisation, cet électorat-là, vous pouvez lui parler du karcher, de la racaille, de l'islam, autant que vous voulez, si, tant que vous êtes les personnes qui avaient ratifié le traité d'Amsterdam, etc., et qui êtes fondamentalement pour le libéralisme économique, pour la baisse des impôts, la baisse des services publics, vous perdez cet électorat-là. Et donc là, il y a une fracturation du bloc anti-immigré qui est quand même très importante, qu'on voit très nettement en 2007-2012. Et là, on utilise techniquement, dans nos régressions, on utilise le vote de 2005 pour prédire le vote. Et là, on voit le... Alors, on ne le fait pas systématiquement parce qu'on l'a fait hein, techniquement dans nos régressions, on a des choses en ligne, mais c'est pas toujours... c'est pas toujours, disons, aussi fort. Parfois, c'est assez prévisible. Effectivement, le vote socialiste de 78 prédit bien le vote socialiste de 81, mais bon, on va pas mettre à chaque fois la régression. Là, c'est plus frappant, et donc, dans certains cas, on insiste sur cette partie-là. La cartographie dans notre livre est faible, je suis d'accord. Donc, vous êtes déçus. Non, mais vous êtes déçus par la cartographie, vous avez raison. C'est aussi pour une raison de fond, disons, par rapport aux résultats qu'on trouve. C'est-à-dire que, finalement, au cours du temps, sur longue période, de 1848 à 2022, ce qu'on montre, c'est que le poids du département comme variable explicative du vote diminue considérablement. Alors, bien d'autres l'avaient dit avant nous. François Goguel, dans des recueils de cartes publiés en 70, tout ça l'avait exactement dit la même chose, une diminution tendancielle au cours du temps du poids du département. Le territoire compte énormément à travers la taille d'agglomération et de communes, mais un peu de la même façon dans chaque département. Enfin, il continue d'y avoir un pouvoir explicatif additionnel du département, mais qui diminue au cours du temps. Et donc, on a surtout beaucoup de variations à l'intérieur des départements qui, sur une carte, ne sont pas toujours faciles à voir. Alors, on utilise un peu des cartes pour le montrer, mais... Non, mais par rapport à ça, on ne le met pas du tout comme administration de la preuve. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le livre, en fait, on ne met jamais les résultats électoraux à gauche et genre les variables explicatives à droite. On l'a presque mis, on a eu des longues discussions là-dessus, bah, justement, ce qu'on arrivait à faire avec les cartes et si elles étaient suffisamment parlantes ou pas. Et en fait, on en a plutôt mis quelques-unes, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 30 cartes et 250 graphiques, parce que les graphiques arrive à administrer la preuve d'une certaine manière, là où les cartes sont plus illustratives. Donc, en fait, ça permettait de montrer la richesse des données d'une certaine manière. Et quand on montre ce que Thomas a montré tout à l'heure, là, par exemple, sur l'hétérogénéité des revenus, etc., ça permet de montrer l'hétérogénéité sur le territoire. Juste de voir, on n'a pas des poches de riches autour de Paris et tout le reste, c'est un territoire pauvre. Mais c'est plus des cartes qui ont vocation illustrative, et notamment illustrative de ce qu'on a dans les données, et pas vraiment des cartes comme on pourrait avoir parfois, je ne sais pas, aussi dans les travaux de Todd et Hervé Lebras, pour mettre une variable explicative à gauche, l'autre variable explicative à droite, et vraiment dire, bah voilà, vous voyez, une espèce de corrélation entre les deux cartes. On ne le fait jamais, parce que notamment, on trouve qu'au niveau communal, visuellement, c'est jamais très parlant, en fait. En plus, dans nos graphiques, ils comparent nos 5%, nos 10% des communes les plus riches et les plus pauvres que dans les cartes. Donc, il paraît plus expressif que montrer les évolutions. Mais après, elles sont jolies. On s'est amusé avec les jeux de couleurs. Quoi. la relation, on va très bien dire. Voilà. Donc, l'évolution dans le temps de la taille de la population. Alors, on va redonner la parole
à la salle. Roger, tu peux intervenir peut-être? Non, je voulais pas, c'est pour ça que je vais intervenir. D'abord pour saluer quelque chose, c'est vous avez fait un comment, Roger Martelly, je suis historien du communisme plutôt, hein. Vous avez fait un, vous avez assumé une mission de service public remarquable. Non seulement vous avez travaillé, vous offrez des résultats, mais vous offrez le matériau. Je trouve ça fantastique. Je trouve que si on avait la possibilité de généraliser cette démarche, hein, le travail scientifique en sciences sociales augmenterait considérablement. On a un peu tendance, c'est terrible, à vous dire, mais vous n'avez pas traité d'eux. Oui, mais vous avez traité de beaucoup de choses. Voilà. Donc, mais enfin, c'est la règle du jeu. Quelques petites remarques quand même. Parfois, vous charriez un peu, excusez-moi. Votre graphique là sur ensemble, ça vous permet de dire le vote le plus bourgeois de l'histoire française, super. Je suis d'accord avec ça en plus. Donc moi, ça me convient. Sauf que dans votre graphique, vous comparez ensemble à la droite dans son ensemble, j'allais dire, dans toutes les autres élections. Donc, nécessairement, par définition, compte tenu de ce qu'est la caractéristique d'ensemble, vous avez tendance, bien sûr, peut-être, à en rajouter un petit chouïa par rapport, disons, à ça. Plus généralement, voilà, vous avez une masse considérable de données chiffrées. Et vous essayez, ce qui est nécessaire en histoire, de faire des généralisations, d'avoir des visions globales. Mais en histoire, on en parle parfois trop, le nez sur le détail. Mais je trouve que dans vos généralisations, il y a un petit biais. Par exemple, les données géosociales explique à 30% le vote, plus par exemple une donnée d'identité. Oui, avec une réserve. C'est, vous travaillez sur des données statistiques communales. Or, les données statistiques communales sont presque exclusivement géosociales. Tout ce qui est du domaine des représentations, de ce qui renvoie à l'identité, de ce qui renvoie à l'idéologie, tout ça n'apparaît pas. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'il faut dire, c'est sur les données statistiques disponibles qui sont quand même massivement géosociales, le géosocial l'emporte sur autre chose. Mais je trouve qu'il est un peu rapide dans ce cas-là de dire, de façon générale, le géosocial l'emporte sur. Voilà. Je termine complètement. C'est à partir de la remarque ponctuelle, très, très fine, qu'ont fait à la fois Gilles et Christophe. Je vous dis quelque chose qui m'a toujours frappé sur cette question, le social et ce qui n'est pas simplement le social. La carte du vote communiste, la carte nationale du vote communiste, qui est à peu près la même dans sa structure de 24 jusqu'à aujourd'hui, avec des couleurs différentes. La carte qui ressemble le plus à la carte du vote communiste n'est pas la carte de la densité ouvrière, comme on pourrait le penser, mais c'est la carte de la politisation révolutionnaire entre 93 et 94. C'est-à-dire que ce qui est le plus explicatif de la distribution du vote communiste, dans ce cas-là, est quelque chose qui renvoie aux politiques, alors même que la situation sociale a complètement changé de 1793 à nos jours. Voilà, encore une fois, chapeau pour ce travail. Vous dites à vous de travailler, moi je suis trop vieux pour le faire, mais ce qui serait bien, c'est que quand vous tous vous aurez travaillé avec Julia Cagé et Piketty, mais dans 20 ans ou 30 ans, refaites encore une petite synthèse et puis on verra
ce que ça donnera avec le temps. Merci. Bon, moi, j'avoue tout de suite, dit Didier Mauss, j'avoue tout de suite que je n'ai pas lu le livre. Bon, c'est pour ça que je suis venu. Hein, voilà, en me disant, je vais apprendre. Donc, ce que je vais dire, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Hein, voilà. Alors, effectivement, je me joins à ce qui a été évoqué. C'est génial. Et je vais me précipiter tout à l'heure sur mon ordinateur pour voir comment la commune dont j'ai été maire a voté depuis deux siècles. Hein, parce que je le sais pour, disons, un petit peu, mais pas pour la période antérieure. Y aller. Je me pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce que validité, avoir commencé votre série en 1793 ben bon, et l'avoir terminée en 2022. Je veux dire par là, est-ce qu'on peut intégrer dans une série statistique dont on cherche à utiliser les conclusions pour une analyse historique, des périodes où les élections sont rares, on est au scrutin censitaire avec un corps électoral extraordinairement réduit. Je veux dire, quel est le vote populaire sous la Restauration et la monarchie de Juillet? Moi, j'aimerais bien le savoir, hein, parce que là, comment est-ce qu'on construit, si vous voulez, des courbes de ce type à cette période? De même, est-ce qu'il n'aurait pas fallu arrêter votre étude, disons, à la fin du XXe siècle et ne pas traiter la période ultra-contemporaine. Alors, j'adore l'ultra-contemporain, hein. Bon, mais là, je me dis, parce qu'on le sent d'ailleurs très bien dans les discussions qu'il y a là, les réactions sont un peu biaisées par la vision que l'on a et que vous avez, qui est parfaitement légitime, de la situation depuis, disons, la fin de la période Chirac ou quelque chose comme ça, et notamment par la période actuelle. Comment est-ce qu'on intègre, si vous voulez, l'aujourd'hui dans cette dimension historique? Donc, est-ce qu'on n'aurait pas eu une meilleure validité scientifique à arrêter il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, grosso modo, à la fin du XXe siècle? Question subsidiaire, pourquoi est-ce que vous, dans votre présentation au début, vous n'avez pas cité le référendum de 1958? Vous passez de 46 à 2005. En 2005, je veux bien, parce que c'est un référendum important. Quelqu'un a dit d'ailleurs que Sarkozy a perdu ses électeurs à partir du moment où on a ratifié le traité de Lisbonne par la voie parlementaire. Je suis totalement d'accord là-dessus. Je l'avais dit à l'époque, je trouve que ça a été une erreur démocratique importante de le faire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais 58 est quand même aussi un référendum fondateur, dans la mesure où c'est quand même le premier référendum où, à l'évidence, le Parti communiste perd environ un cinquième de son électorat, puisqu'il n'y a que 20% de non, alors qu'il faisait plus de 25% aux élections législatives. Donc, de ce point de vue-là, dans la dynamique politique, il est quelque chose de significatif, et en plus, il est fondateur d'un régime. Bon, et puis, dernière question, alors vous venez de le dire, on est dans la salle Gogel. Pour ma génération, c'est le maître absolu. Est-ce que vous avez voulu faire de l'anti-Gogel d'une certaine manière? Et notamment, il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout évoqué, mais ça a été dit en filigrane, mais pas explicitement, c'est le facteur religieux. Comment est-ce que le facteur religieux influence les comportements électoraux? Alors, on retombe sur le problème des séries que vous évoquiez, mais autant sur un certain nombre de difficultés ou d'items, on a du mal à avoir des séries, autant on a quand même une petite idée de ce qu'est la pratique religieuse, ne serait-ce que par la diminution du nombre du clergé ou de l'assistance aux messes. Enfin, je ne sais pas si on est capable d'avoir des séries sur un siècle et demi, mais je dirais, on a tellement dit dans cette maison un des premiers facteurs, pas le seul, mais des premiers facteurs, c'était le facteur religieux, avec la distinction classique, par exemple, je crois que c'est à Auxerre, entre l'environnement catholique et le protestantisme, sans parler du calcaire et du granit. Hein. Je n'irai pas jusque-là. Pourquoi est-ce que le mot religieux n'a pas été évoqué une seule fois? Il est là dans le livre. Hein. Il est dans le livre, mais je vais le lire maintenant, votre livre. Bon, et je dirais, la conclusion principale, me semble-t-il, en tout cas celle que je tire de cela, c'est de dire on vote plus à gauche dans les communes les moins riches, me paraît quand même pas une découverte extraordinaire. C'est cet angle hein, de simplification. Mmh. Mmh, bien sûr.
Non, oui, alors un point technique sur les données et en termes de législatives qu'on couvre, c'est pour ça que j'ai rappelé là quand j'ai présenté, en gros, on a les législatives de 1848-1849, et ensuite on saute à 1871 volontairement, pour ne pas traiter de toutes les législatives qui se font avec des scrutins beaucoup plus censitaires, et puis surtout avec une non-liberté de choix des candidats. Donc c'est pour ça en fait qu'on ne les traite pas. Les données, elles seraient disponibles. On aurait pu aussi les collecter et les interpréter, mais ça nous paraissait extrêmement complexe. Donc voilà, on a sur les référendums, on commence en 1793. Ensuite, sur les législatives, on traite 48-49 et on saute volontairement à 1871 pour les questions que vous avez soulevées à juste titre. Sur la part de la variance, il faut être extrêmement précis, c'est-à-dire que on explique aujourd'hui avec la classe géosociale 70% des différences de vote entre communes. Donc il y a 30% des différences qu'on n'explique pas, qui pourraient être expliquées par un certain nombre d'autres mesures. Et en particulier, on peut considérer que sur la question d'identité, par exemple, on la mesure mal au niveau des communes, puisqu'on va mesurer cette question-là avec le pourcentage des immigrés et le pourcentage des étrangers au niveau des communes. Ce qui est certain, c'est que même si on l'a... Et donc, nous, quand on l'introduit, ça peut augmenter le pouvoir explicatif de notre modèle entre 70 à 73, 74%. Ce qui est sûr, c'est que même si on l'a mesurée beaucoup, beaucoup mieux, elle ne pourrait pas avoir plus de 30% de pouvoir explicatif. Puisqu'à un moment donné, on ne peut pas expliquer plus de 100% des différences de vote entre communes. C'est ça, en fait, sur lequel on insiste. Et le fait que le poids de la classe géosociale augmente au cours du temps, c'est-à-dire qu'on explique 70% en 2022, là, sur les dernières, en 81, par exemple, qui est pourtant une élection, on peut penser que la question de la classe largement définie joue un rôle important, on a 5%. En 1848, là, on a à peine 30% de pouvoir explicatif. Par contre, en 1848, simplement en rajoutant le département, vous expliquez 10 à 15% des différences de vote entre communes, parce que là, le facteur géographique est extrêmement important. Donc, c'est juste ça, en fait, qu'on dit quand on appuie sur cette importance de la classe géosociale, c'est que son poids explicatif augmente au cours du temps. Et que certes, il y a d'autres variables qu'on manque, y compris au niveau communal, mais qu'elles ne peuvent pas expliquer des facteurs qui nous fassent passer au-delà de 100%. Et puis quand même, l'autre chose sur laquelle on veut bien insister, hein, c'est, et ça, on essaie de toujours être complètement transparent et de ne pas déraper, on va dire, dans le vocabulaire, dans le livre, c'est les différences de vote entre communes. Et à l'intérieur des communes, il y a encore une énorme hétérogénéité qu'on n'explique pas du tout avec nos différentes variables. Ensuite, sur la prise en compte de l'ultra-contemporain, je ne sais pas si tu veux aimer que je réponde comme ça, mais comme tu vas avoir la parole juste après, c'est peut-être... Nous, on se définit avant tout comme chercheurs en sciences sociales. On essaie d'avoir un apport historique, sciences politiques. Peut-être notre différence, finalement, avec un pur historien, c'est qu'on n'a pas eu peur de s'attaquer aux contemporains parce qu'on a aussi écrit ce livre volontairement. Non, je veux dire, on a aussi écrit ce livre volontairement pour éclairer les débats actuels. Un des choix qu'on a fait, pour le coup, et ça c'était peut-être une différence au départ avec l'éditeur, on ne voulait pas que le livre sorte en septembre 2022. On ne voulait pas que ce soit un livre d'interprétation de l'élection qui venait de paraître, et d'ailleurs on voulait prendre le temps de la traiter assez bien, et pas de la traiter en deux minutes en mai 2022 pour être dans la précipitation. On a pris cette année de recul-là, mais voilà, le livre il a deux apports, un apport plus historique et purement scientifique, il y a aussi un apport au débat politique actuel qu'on assume comme tel. Et on en paie le coup, vous avez raison, parce que du coup, la lecture du livre est parfois politique, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont assez énervés contre nous, sans voir l'aspect historique, simplement, si c'est pas d'accord avec les conclusions politiques. Bon, c'est un peu le prix à payer de cette approche-là. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je pense qu'on peut lire le livre en oubliant l'ultra-contemporain, c'est-à-dire qu'il y a les trois quarts du livre traitent des élections avant 2000, et on peut se concentrer sur ces parties-là, oublier les dernières élections. C'est vrai que ça nous paraissait important quand même de les mettre à la fois en tant que citoyen. Bon, il y a des historiens qui le font. Le livre de Gilles Richard continue sur l'histoire des droites. Alors, avec le risque de prédire quelques mois avant l'élection de 2017 la victoire de François Fillon. ça fait partie des risques d'aller jusqu'à l'ultra-contemporain. Mais nous, on pense qu'il y a, un besoin citoyen. Puis il y a aussi un besoin analytique et scientifique. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la conscience quand même de l'existence d'une tripartition, nous semblait importante à ramener dans une perspective historique. Et c'est vrai que cet écart de vote entre le monde rural et le monde urbain,
qui n'a jamais été aussi important depuis un siècle, pour nous, est vraiment étroitement relié à cette réflexion sur la tripartition par rapport à la bipolarisation. C'est-à-dire, d'un point de vue strictement scientifique, ce n'est pas qu'on voulait absolument parler des élections de 2017-2022. C'est un peu que ça nous est arrivé comme ça. C'est-à-dire, le fait que la période de bipolarisation correspond plus à une période où le clivage territorial est atténué par rapport au clivage social, disons, ça nous est apparu comme quelque chose d'assez évident, qui nous est arrivé, qu'on n'avait pas forcément prévu au départ. Donc, finalement, ça a pris... L'ultra contemporain a pris une importance d'un point de vue strictement dans l'analyse historique et scientifique qu'on n'avait pas forcément prévu au départ. Sur les autres questions, je vais revenir sur quelques points très rapidement. Alors, d'abord, est-ce que sur le vote ensemble, le plus bourgeois de l'histoire, est-ce qu'on pousse un peu les choses ou pas? Bon, d'abord, dans les pages qui sont consacrées à cette question, on essaie toujours d'être un peu ironique, d'avoir du recul, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas pour finir. La vérité, c'est que le vote ensemble, il est très proche des votes de droite précédents, mais pas simplement des votes de droite qui rassemblaient 40 ou 50% des voix. Si on compare par rapport à des votes de premier tour pour Giscard ou pour Chirac ou pour Sarkozy qui faisait 20%, 25%. Donc on compare à des votes comparables en termes de taille. Et pour le coup, le vote Macron est quand même un peu plus pentu, surtout sur le bas de la distribution. C'est-à-dire sur le haut de la distribution, c'est vraiment kiff-kiff, c'est la même chose sur les communes les plus riches. Sur les communes les plus pauvres, c'est vrai que Macron est particulièrement faible parce que aussi les communes les plus pauvres, notamment les communes rurales les plus pauvres, en fait, ont quitté la droite en général et le centre libéral et sont passés pour le RN. Et donc, en fait, c'est assez proche de Sarkozy en 2007. En fait, le vote Macron, pour le coup, est très proche du vote Sarkozy en 2007 par rapport à son profil sur la richesse. Alors là où on exagère un peu le trait, c'est que c'est vrai que sur des votes plus petits, on trouve des profils, tout à l'heure dans la présentation, des profils beaucoup plus bourgeois encore. C'est-à-dire le vote Zemmour est beaucoup plus bourgeois que le vote Macron. Si on regarde la pente par rapport à la richesse, on est sur les communes les plus riches à 2-3 fois le score moyen. Et sur Madelin, je disais en 2002, on est à 4 fois le score moyen, alors que dans les 20 ou 30% des communes les plus pauvres, Madelin est à même pas à 20% de son score national. Donc, ce qui est quand même intéressant, je trouve aussi, de voir quand même que même sur des tout petits votes, les gens ne votent pas au hasard. Enfin, on arrive à trouver des choses. Et donc, le vote Macron, c'est surtout par rapport à des votes d'importance comparable qu'on peut dire qu'il est un peu plus bourgeois, mais en fait, pas très comparable à des votes de droite du passé. Je voudrais ajouter quelques mots sur la question du référendum de 1793 et des scrutins de la période révolutionnaire. Alors, d'abord, soyons clairs, Julia l'a dit, nous, on laisse complètement de côté les scrutins censitaires de la période 1815-1848. On laisse complètement de côté les scrutins du Second Empire qui sont au suffrage universel masculin, mais qui sont dans un cadre où voilà, il y a très peu de divers. Donc ça, on laisse ça complètement de côté. C'est vraiment un autre travail dans les deux cas, d'ailleurs, qui peut être intéressant, mais qu'on a complètement laissé de côté. Sur la période révolutionnaire, en fait, il y a des travaux ont été conduits, notamment par Edelstein, Serge Aberdam, qui exploitent notamment les données de participation au niveau départemental ou par canton, plus ruraux, urbains, qui sont très intéressantes, là qu'on se contente de citer. C'est-à-dire là, on les utilise, on a vraiment fait aucune analyse originale. La seule analyse un peu nouvelle qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les numérisations faites par Serge Aberdam sur le recensement de 1793 et 1795. Donc là, ce sont les seules données électorales qu'on n'a pas numérisées nous-mêmes. Hein. C'est Serge qui nous les a passées. On a fait, par contre, une exploitation nouvelle qui n'avait pas été faite avant, qui... En gros, on n'a pas regardé par rapport au vote communiste contemporain, mais on pourrait essayer de regarder, faire des choses, ce serait intéressant, mais je pense que vous aviez en tête d'autres indicateurs de politisation que la mobilisation au référendum de 1793, et ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Ce qu'on a fait, par contre, c'est d'essayer de comparer la mobilisation, le taux de participation au référendum de 1793, qui en gros est de 35-40% du national, mais ça peut varier des endroits à 20-30%, des endroits à 40-50%, il y a quand même beaucoup de variations sur la participation, et on montre qu'il y a quand même plutôt un facteur de, disons, la très forte concentration foncière conduit plutôt à un effet de mobilisation qu'un effet de soumission, quoi, pour résumer. C'est-à-dire qu'on essaye de défendre l'idée que finalement, quand on a des données qui indiquent une plus grande concentration terrienne, on a plutôt une plus forte mobilisation pour la première constitution républicaine, ce qui va tout à fait dans le sens, disons en gros, plutôt de Paul Bois et Charles Tilly par rapport à André Siegfried. C'est-à-dire pour résumer quand même dans ce débat, donc on essaye de résumer dès l'introduction, et dans lequel qui est un peu un fil conducteur dans le livre, Siegfried explique quand même le contraire. C'est-à-dire lui, il dit les cantons ruraux qui votent pour les conservateurs, c'est là où la concentration foncière est très forte. Donc l'influence des grands propriétaires, parfois nobles ou pas, mais notamment des propriétaires nobles, et l'influence de l'Église
à travers la scolarité des filles aller dans l'école privée. C'est ça qui fait qu'il y a un vote conservateur. Et quand il y a moins de concentration foncière et moins d'écoles privées, j'ai un vote républicain. Alors lui, il essaye d'expliquer aussi ses propres échecs électoraux et des électeurs qui ont voté pour les conservateurs plutôt que lui. Ça a été quand même très remis en cause, notamment par Paul Bois, Charles Stilly, qui dans les années 60, zooment sur l'un sur la Sarthe, l'autre sur le Maine-et-Loire, montre que les cantons qui votent davantage conservateurs et qui basculent dans la chouannerie en 1793, sont souvent des cantons dans les cahiers de doléances, on avait les plus revendicatifs des cantons, qui étaient des cantons presque les plus révolutionnaires, qui en particulier espéraient bien que les terres ecclésiastiques allaient leur revenir. Et le fait que les terres ecclésiastiques leur passent complètement sous le nez, soient mises aux enchères plutôt au profit des riches urbains, va pour le coup donner une mobilisation anti-républicaine qui va continuer très longtemps. Et alors, eux rassemblent un certain nombre de matériaux pour développer cette thèse. Les résultats qu'on a vont plutôt dans ce sens-là. On utilise des variables religieuses classiques sur le pourcentage de prêtres qui sermentaires de la Constitution en 1791, les données qui avaient été rassemblées. Et puis on utilise après plus tardivement. Donc, avec ça, on a un nombre limité de points dans le temps sur le pourcentage de fréquentation des écoles privées là, au niveau cantonal et communal. On aimerait bien rassembler plus d'années, mais bon, tout ça, c'est des données à saisir qui sont compliquées et on a dû s'arrêter. Mais on a quelques points dans le temps, fin 19e, des points et des points plus récents aujourd'hui. Mais donc voilà, les élections révolutionnaires, elles jouent quand même un rôle à travers notamment les référendums et l'étude de la participation à partir des travaux d'Edelstein, parce que ça permet en gros de remettre en cause cette idée d'un conservatisme naturel des campagnes qui voterait conservateur parce qu'elle serait plus conservatrice que le monde urbain, et en insistant au contraire sur le thème de la déception du monde rural face à l'action de la révolution, de la gauche en général. Et ce thème de la déception, du sentiment d'abandon des zones rurales nous semble parcourir la période jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en ce sens, l'étude du moment révolutionnaire et notamment du référendum de 1793 joue quand même un certain rôle. Pour finir, on n'est pas du tout anti-Gogel. Hein, on cite beaucoup Gogel. Les résultats législatifs qu'il avait rassemblés sont passionnants, les séries de cartes qu'il a rassemblées. C'était au niveau départemental, donc c'est vrai que c'était surtout départemental, mais un peu cantonal. Mais c'était pas les mêmes. Oui, je sais bien. Non, mais vraiment, on en est complètement conscient. Et les variables religieuses, elles jouent un rôle très important sous la Troisième République. C'est vrai qu'elles ont tendance à diminuer au cours du temps. C'est-à-dire que sur les scrutins récents, en particulier la fréquentation de l'école privée est complètement absorbée. Enfin, son effet politique est complètement absorbé par la richesse, le revenu, les professions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on raisonne pour un revenu donné, l'effet additionnel de la fréquentation de l'école privée est assez faible sur le vote. Il est toujours là, il y a toujours un effet sur le vote à droite, il a beaucoup diminué par rapport à la fin 19e. Non, très peu de mots. On a, avec Fabien Connor, quand on a fait un dossier sur les petits candidats il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, dans Histoire et Politique, et là, on a vu que Jean Lassalle, lui, le vote était d'abord lié à l'altitude, et que c'est entre 500 et 1000 mètres qu'il reçoit le plus de voix et le double de la moyenne nationale. Et donc, il va falloir introduire une nouvelle donnée. Vous voyez que tout n'est pas… Alors là, c'est géo, pour le coup, et pas social. Je rappelle qu'à Mazamet, à la fin du 19e siècle, c'est la principale ville de délainage dans le monde. Il y a 10 000 ouvriers qui travaillent le délainage. Les ouvriers votent pour les monarchistes catholiques, tout simplement… Pour une raison toute bête, c'est que leurs patrons sont des protestants républicains. Voilà. Et voilà un aspect religieux qui compte. Et puis, troisième chose, je constate, quand vous parlez du vote ensemble, vous dites que c'est le vote le plus bourgeois, et donc vous le classez à droite. Mais pourtant, il est classé au centre à d'autres moments. Et pour moi, il est évident que le macronisme représente le néolibéralisme européiste, et donc c'est une des forces de droite. C'est bien le problème aujourd'hui. Qu'on n'a pas répondu sur ce point. Donc on dit qu'on n'est pas dans une tripartition. Mais là, vous n'avez pas le temps, on va refaire un débat. Non, mais dans une bipartition, ça fait partie des scénarios négatifs qu'on discute. C'est-à-dire, alors un scénario qu'on appelle à la polonaise, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore eu l'alternance en Pologne et le retour de Tusk au pouvoir. Mais est-ce que, voilà, il y a
Nous, on est optimiste, donc on voit un retour à la bipartition gauche-droite, mais il y a un scénario aussi où la nouvelle bipartition est une bipartition à la polonaise près il y a un mois, avec notamment un bloc, bah oui, libéral, libéral, droite-droite, Macron, et puis en face un bloc plus national-social. Malheureusement, c'est une des possibilités aussi qui se dessine, ça. Sauf que là, il y a quand même bien dans les élections un bloc de gauche dont l'assise populaire, et ce qu'on montre dans le livre, vous nous disiez, ce n'est pas une découverte que les communes pauvres votent à gauche. Bah, ce n'est pas une découverte, mais il y en a certains qui cherchent à prétendre le contraire. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours d'une partie des élites françaises, des élites politiques, d'un certain nombre de médias, consistant à dire toutes les classes populaires sont passées au RN. Nous, ce qu'on montre, c'est que ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a une division très forte des classes populaires urbaines et rurales, mais les classes populaires, notamment les employés des services, du soin, du nettoyage, de la restauration, du monde urbain, qui ont des tout petits salaires, qui sont des femmes en partie, mais pas seulement, votent pour le coup très fortement à gauche et indépendamment des origines. C'est-à-dire quand même, ça vient, c'est-à-dire même en, le fait qu'il y ait un certain... Parce que parfois, la gauche aujourd'hui se retrouve un peu à internaliser le discours de la droite sur le thème « c'est très lié aux origines, immigrés, etc. » En fait, vous avez plein de banlieues très populaires où le pourcentage d'immigrés est faible, d'autres où il est beaucoup plus important. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, ça compte pas. C'est pas ça qui détermine. C'est quand même vraiment la structure professionnelle, le revenu. Et donc, la base populaire de la gauche est plus importante que ce qu'on entend parfois. Et donc, absolument. Mais elle reste très importante et plutôt plus importante que le vote RN, qui est quand même un vote beaucoup de petits propriétaires. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on est revenu qu'on est en tripartition, de toute façon. C'est parce qu'il y a une division des classes. Mais les classes populaires, c'est les employés aujourd'hui plus que les ouvriers, c'est ça le point important. Ah, c'est plus les mêmes ouvriers. Non, mais ça, c'est un truc sur lequel on insiste. Oui, mais les personnels de soins, de ménage, de restauration, en fait, au total, ça fait des effectifs plus importants que les ouvriers de l'industrie, et eux votent à gauche, et des salaires plus bas aussi. Donc, il faut absolument... Mais juste... Il faut qu'on passe la parole du Pierre. Oui, mais il y a d'autres classes qui sont apparues et qui... Il n'y avait pas forcément un vote ouvrier au PC, comme le rappelait Roger Martinet. Il pouvait y avoir des campagnes rouges par les... Oui. Bon, stop. Il faut savoir terminer une grève, finalement. Un mot ? Deux mots ? Écoutez, un grand merci en tout cas à Julia et à Thomas pour cette intervention vraiment, vraiment passionnante et à tous ceux de la société qui ont également participé. Les débats ont été très riches et je voulais juste faire un petit rappel d'éléments que Julia connaît bien sur le fait que nous avons beaucoup de richesses de sources électorales à Sciences Po en général, pas uniquement d'ailleurs à la bibliothèque, mais dans différents lieux à Sciences Po, et qui sont extrêmement complémentaires de toutes les ressources des archives nationales avec lesquelles nous travaillons au quotidien. J'ai d'ailleurs noté qu'à distance, il y avait des conservateurs des archives nationales qui étaient présents. Donc, il y a la banque de résultats électoraux que vous avez évoquée tout à l'heure du CDSP en lien avec le ministère de l'Intérieur. Il faut savoir quand même que nous avons également des livres blancs du ministère de l'Intérieur dont vous avez beaucoup parlé, corrigés et annotés par des chercheurs du CVPOF qui ont refait tous les calculs. Et donc là, si un jour vous avez besoin de venir les voir, c'est possible également. Il y a aussi les enquêtes préélectorales et les enquêtes post-électorales dont vous avez touché un mot tout à l'heure, le panel électoral, évidemment, ça plutôt pour la Ve République à partir de 1958, on est beaucoup plus dans des données récentes. Et pour tout ce qui est à la bibliothèque, il faut savoir aussi qu'il y a les programmes des candidats. Donc évidemment, ce n'est pas du tout le type de données que vous avez utilisé. Programmes des candidats, des ouvrages, des brochures, des dossiers de presse sur les élections,
qui peuvent être très utiles à utiliser, dont une partie est numérisée. La numérisation également du Barodet, donc Désiré Barodet étant un député qui avait proposé que soit déposé un exemplaire de chaque candidat élu à la députation à l'Assemblée nationale, et c'est Sciences Po, en partenariat avec l'Assemblée nationale, qui a numérisé le Barodet, qui est disponible donc en ligne, donc sur une période plus longue que ce que nous proposons par ailleurs. Et puis, il y a toute la littérature quand même scientifique produite par Sciences Po qu'on peut trouver sur HAL Sciences Po. Au département archives, et ça, Julia le sait bien, nous avons tout ce qui a été mis en ligne, alors de manière beaucoup plus modeste que ce que vous avez fait, et sur des types de documents différents. Ce sont les archives électorales, donc 40 000 documents, profession de foi, bulletin de vote, tract, présidentiel, législative, très bientôt 750 documents des européennes avant les prochaines européennes en 2024. Et donc là, dont chacun peut faire une utilisation, l'utilisation qu'il souhaite, et qui a donné lieu déjà à des projets sur la longue durée, notamment d'économètres que vous connaissez bien. Mais nous avons aussi des affiches, de la presse, des discours qui n'ont pas été numérisés, des ballons, des pins, voilà, tout ce qu'il faut pour des meetings électoraux. Nous avons également dans les archives de personnalités politiques tous les éléments de ce qu'ils ont fait pour leur propre campagne. Donc là, c'est une dimension assez différente. Et le nom d'André Siegfried et celui de François Gogel sont revenus à de nombreuses reprises ce soir. Nous sommes dans la salle François Gogel. Nous avons les archives de Siegfried et les archives de Gogel qui permettent de voir toute cette évolution de la sociologie électorale depuis le début du siècle. Une réédition du tableau de la France de l'Ouest qui a été fait par Pierre Milza. Et donc les cartes dont vous avez parlé tout à l'heure, les cartes faites à la main, qui sont quand même très intéressantes, même si évidemment il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, et vous en avez reparlé Thomas. Et enfin, la sondothèque qui est unique en France et qui rassemble les sondages d'opinion, notamment autour des élections. Donc là, ce ne sont pas des résultats, ce sont des sondages pré-élections, mais qui peuvent permettre aussi de voir toute la question de l'opinion publique. Donc, tout cela pour rappeler qu'il y a beaucoup d'autres sources qui peuvent encore être utilisées, aussi bien par les étudiants que par les chercheurs, pour continuer à alimenter tout l'énorme travail que vous avez fait et dont je vous remercie particulièrement. Bon, alors, on va conclure sur ces mots. Simplement, un grand merci pour cette première pour nous comité qui travaille sur les élections au sein de la SFHPO. Je pense qu'on va continuer et, comme vous l'avez dit, faire un travail coopératif pour affiner et préciser. Pourquoi pas, il y a des choses qu'on peut apporter les uns les autres, s'enrichir. Nous, on utilise comme base de données, il n'y a aucun souci, le côté agrégatif, cumulatif, coopératif nous va très bien. La seule chose, et c'est Roger qui l'a dit tout à l'heure et je suis très content que ce soit lui qui l'ait dit, c'est juste la question des cultures politiques qu'on aimerait de temps en temps avoir apparaître, parce qu'il y a ces enjeux en particulier de correspondance. Alors, on est d'accord qu'il y a eu des corrélations pendant trop longtemps de cartes, mais il n'y a pas toujours que des logiques de corrélation et des logiques de culture politique qui peuvent exister. C'est une première, continuons. En tout cas, merci d'avoir donné non seulement aux collègues, non seulement aux étudiants, non seulement quelque chose qui devrait être des bases de données gratuite comme vous le faites, mais pour l'ensemble des chercheurs. Ça pourrait être une politique publique d'État qui le fait, mais il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas la logique de l'enseignement supérieur. C'est un peu ça, parce que là, c'est des financements publics qu'on restitue en ligne. Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Les ANR, normalement, il y a obligation. Oui. Tous ne le font pas. On l'avait fait à l'époque pour l'ANR Paprika sur les archives du communisme. Tout est en ligne. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Merci. Merci à vous. Merci.